J'invite Nash. Je lui rejoins, c'est bon. Ok. Voilà, c'est bon, je te rejoins. Alors, il y a toujours le micro qui s'active, Voilà. non, d'une pipe en bois. Ah oui, j'avais dit que je mettais ma lampe d'appoint en pleine tronche. Parce que comme En il pleine fait tronche. peu de lumière. Mince, elle est où ma lampe d'appoint? Ah oui, elle est là-bas. Ah bah, attends, je vais tirer un peu le meuble. T'es en train de rejoindre le sage ou... Bah, je vais vous rejoindre dans même pas une minute. Le jeu se Non, mais joue. je demandais si t'avais lancé Mais le fait oui. de rejoindre la partie, c'est tout. Mais oui, j'ai cliqué sur ton profil et comme quoi je voulais me connecter à ta session multijoueur. Ça devrait bien se Ok. passer. Minu, 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 minu. C'est ça. Hop, périphérique de jeu. Un instant, j'ai cru que t'avais une perruque, le sage. Attends, je sais pas si on voit bien ma tronche. Attends, j'ai bon espoir que j'ai bien. Hop là. Alors, appuyez sur entrée. Chargement Maliwen est spécialisé dans les armes élémentaires. Blablabla. Ah bah tout le monde est là. Ah, on est tous niveau 16. Élémentaire, Ah, c'est bien. élémentaire. Oui, 16, oui. On a tous 16 ans. 16 ans. Donc, oui, il faut que Nayon et le sage se mettent prêts et ensuite je pourrais lancer. Voilà. Attends, je vais virer les petits haut-parleurs. Oui, je sais même plus comment on fait pour virer le haut-parleur. Mais c'est dans les C'est autres en jeu. fonctions, faut attendre d'être en jeu, c'est pour ça que. C'est pour ça que je veux lancer vite, pour qu'on enlève cet écho là encore. Écho! Bon, le tunnel de la porte des étoiles, et c'est bon, on est arrivé. Les Pourquoi ça n'apparaît pas? scarcrations sont plus Ah. vulnérables au corps à corps. Oh. Mayonnaise, Nash. La 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 la. Comment ça, claptrap qui danse comme un ouf? Il est où le claptrap? Il est là, juste là. Oh là, j'ai du caca dans les yeux. Ah oui, t'as raison, mais il est là. Merci. Ah! Tout chaud. Allez, on rouvre les coffres. Allez, on rouvre les coffres. C'est parti pour ramasser de la tuile. Les coffres au cadeau. Il y a toujours ton écho, Nayane. Est-ce que moi je l'ai encore? Oui. Vu l'avancement qu'on a eu, c'est pas ici. C'est pas dans ce magasin-là qu'on Ah, trouve les choses. tu... Alors, si ça y est Regarde encore. mon écho encore. On m'entend toujours ou pas? Attends, Bah, vas-y, moi. reparle. Bla 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 Non, bla bla non, toi parle. c'est bon, Nayane. On va Oui, plus on ton t'entend écho. normalement, Nayonet. Ouais. Et donc moi on m'entend toujours. Oui, on t'entend. Enfin, on t'entend sans écho, hein. Moi, je vous entends normalement. Ah! Non mais c'est ça que je demandais, si dans le jeu il y avait le truc qui L'écho, s'activait ouais. comme quoi j'avais de l'écho. Non, j'ai l'impression que personne n'a d'écho maintenant, c'est bien. Mais ce qui est bizarre c'est que moi je vois ton micro qui s'active en jeu mais j'entends pas l'écho. Donc c'est bon. Oui, bah tant mieux. Et au moment où on le dit, on entend l'écho. Ah bon? Oui, il y a des coffres à ouvrir. Voilà, j'ai hurlé, je suis content.
Ouais, ah, je t'entends dans le jeu, le sage. Bah, tu vois, c'est ouais. Alors, attends, faut que tu réactives et que tu redésactives le son en jeu. Audio, ça doit être dans audio, non? Ah, activer voix, appuyer pour parler. Eh ben, c'est bizarre. Si je mets le mode activé pour mets-le en activé, tu sors et tu t'y retournes et tu le remets en appuyant pour parler et comme ça, ça prendra en compte. Et... Ou en désactiver peut-être. Bah essaye en désactiver. Ce sera plus radical. Et là. La 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 la. Echo. Non, c'est bon. Ah. C'est bon. Ben voilà. Pas le sage, je le cherche depuis tout à l'heure, mais. Ah, il est derrière. Mais comment a-t-il fait pour se cacher? Bah, cacher, c'était pas mon but. Mon but est de débusquer des petits coffres à liasses de billets. La thune? C'est ça. Tunas, mes amis, la tunas. Je me fais un collier de billets de dollars. Là, je suis pas loin des 23 000 dollars. Oh, il y a un petit coffre. Oui, exact. Bien joué. Un petit coffre. Bien joué, Nani. Bien. Ouais, je vois. Ouais. Ah, tout le monde a des missions de pompe de pompe. Ah, alors, c'est le coffre. Genre de jeu quand je ne fais que réécouter. Nos aventures, il y a vraiment des passages, j'ai l'impression de d'écouter un film cochon, hein, parce que les ok. Ça fait bizarre. Moi je me souviens d'un sage en fin de stream qui parle de bordel dans tous les sens aussi. Ah, vous le reverrez bientôt, je l'ai évidemment immortalisé la séquence. Pourquoi bah, je viens pour acheter des munitions. Moi je viens pour acheter des munitions, ouais. Qu'avait fait mon vilain pour le week-end de Pâques. Ah, bonne suggestion de pointer les munitions. Pour votre satisfaction, n'achetez que le... Les munitions se dépensent très vite, hein, faut pas s'étonner. Ah non, je suis au taquet, moi. Ah, sauf les grenades. J'aime bien balancer les grenades et là j'en avais. Ouais, voilà. Un lot de 3 sur 5. C'est quoi ça? Niveau requis 19. Non, mais ils sont fous. Hein. Allez, c'est bon. Hop. Oh. J'ai un artefact. Améliore la compétence de tourelle. Ah, mais non, j'ai gardé la tourelle, moi, et oh. C'est vachement cool d'avoir un artefact. Ah, c'est génial. Nash, il parle pas ce matin? Ou c'est moi qui l'entends pas? Mais c'est vraiment mon frère Nash. J'essaie de fuir l'espèce de chose qui crie, mais... J'en ai assez de marcher. Ah oui, c'est comme ça que j'en charge. Deux voitures roses, et B. Rosier. Conduis. J'ai besoin d'un conducteur, s'il vous plaît. Il arrive. Oula. Ah bah, faut descendre. Non, non, c'est juste que le mec que j'ai écrasé a laissé tomber un flingue, donc je l'ai ramassé pour faire de la tuerie. Hop, je remonte à bord. Comme à bord. Je sais même plus où on en était dans les quêtes. Alors, les quêtes. Je sais plus comment je vous l'interface. Cercle de la mort dernièrement, je dis que les rudes, c'est une quête secondaire. Ah oui, les rudes, on voit pas ton, on voit pas ton jeu, le sage, par contre. Comment ça, vous voyez pas mon jeu? On voit ta tête. Oh merde, je me suis trompé de plan, comme d'hab. Merci de m'avoir signalé ma bourde. Abuel, merde, mais oui, je réglais mon caméra, pardon.
J'aurais vu ma tronche pendant 10 minutes, excusez-moi. On va faire celle-ci. Quelqu'un qui a encore mis un... Reprendre, oui. Donc je disais... ah bah merde, du coup je vois plus le chat. C'est pas grave. Récolte de cristaux électriques... Ah oui, c'est pas mal les cristaux électriques. Ah voilà, ça marche. Ça c'est quoi? Ah attends, niveau... Ah attends, on va faire par ordre de difficulté. Niveau 14, chip solder, récupérer la clé de la mine et la porter jusqu'à Headstone Mine. Ah bah voilà, il faut qu'on aille à Sledge Safe House, la maison sécurisée de Sledge. Justement, c'est bien de regarder le niveau de difficulté, moi je commence par les quêtes annexes en fait. Et là, c'est la quête principale. Ah merde! Tu as raison. Alors, la quête secondaire de niveau 15, c'est des panneaux de prime de Firestone. Il faut récolter 50 cristaux dans la grotte perdue, Lost Cave. Oui. Donc c'est bien, j'ai, comme c'est moi qui j'ai déjà mis, c'est bon. Tu peux descendre du véhicule, le sage. Yago, t'es un chef. Pouk. Non, je veux pas voyager. Ouais, ah bah tu voyageras voyage. Quand même. Tu verras du pays qui disait. Yeah. Ah, il y a des minerais de Tiberium et de, oui, de cristaux de Starcraft. Ouais. Ils sont beaux comme tout. Ah, là, j'ai la carte graphique qui est déjà à 45 degrés. Ouais. Je vais vous dire, on a toujours besoin de votre score. Non, ça ne m'apporte rien de bien. Oh bah non, je vais rien vendre. Je suis bien équipé. Merde. Bien équipé aussi. Vidons nos chargeurs. Oh, c'est quoi ces bestioles? Ah, oh, dans Diablo. Elles vont sous terre, c'est des algues. Des arrières. Ouais. Moi j'ai pas de chance, chaque fois que j'essaye de tirer, j'ai la tête du sage qui passe devant mon visage. On va faire des gars. Ah, c'est des crabes. Attends, comment est-ce que... Je déploie ma toile, je sais pas. Oh, il y a une roquette pour ceux qui veulent faire le plein de roquettes. À côté de moi, il y a une roquette que j'ai déterré. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir tout au taquet, mais. Aussi, c'est plein. Pourquoi mon perso bouge? Bah. Oh, de toute façon, si c'était pas plein. Non, c'est plein. Oui, si. Ah, je sais pourquoi. Studio me reconnaît ma manette. Et ma manette est dans le tiroir avec des objets encombrants, donc du coup ça déclenche des trucs. J'ai intérêt à mettre mon... Pardon. Ma manette en plein air. Si je peux dire. En plein air. Je comprenais plus pourquoi je bougeais dans le jeu sans le vouloir. Wouah. Oh, on est déjà à 20 cristaux sur 50, extraordinaire! Aïe. Ah! Il m'a fait peur, Nayone! T'es à peur! Il surgit de la bestiole! Ça fait des dégâts, mais j'espère. Tu m'as fait flipper. Flipper. Ouais, c'est abusé que chaque semaine, oui, je sois obligé de baisser le son. Le son de qui que ce soit. Le jeu. Le jeu. Oh. Je crois qu'il retient pas le son. Non, justement, le problème, c'est qu'il retient les paramètres. Le jeu joue aussi fort chez tous aussi. Attends, je déclenche ma tourelle. Oh
Alors je sais pas où vous êtes passé, on est avec le sage, on est toujours au début et on a des skates sur le. Des skates d'alpha sur la tête. On a des trucs avec G Psycho, je suis pas loin. Là je suis pas loin du G Psycho. Et voilà, je suis mort. Oh Noyone, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu tiens, Merci. J'ai besoin de secourir le sage. Putain, l'enculé qui m'a repoussé pendant que je te relevais. Voilà. Merci. Alors, ils le font exprès. Je peux pas te relever. Hein. Je suis désolé. Reste avec toi, j'essaye. À chaque fois que j'essaye, il me tape dessus, il me font reculer de 3 mètres. Hein. Attends, il y a des cristaux à ramasser, le sage. Oui, ramasser. Avant d'avoir les cristaux, ça serait bien de venir nous filer un coup de main. Oui, on se regroupe, désolé. Ouais, vous avez encore de la. Oui, on se regroupe, on arrive. On a tué quelques monstres, mais. Ouais, mais nous, on s'est surtout fait tuer, c'est ça le problème. Bah oui, c'est pas cool. Oh, désolé. Vous avez avancé beaucoup trop vite. Je conçois. Et ils sont où les deux qui restaient là? Tu les as tués, Nash? Bah ils sont morts. Non, je crois qu'ils sont barrés. Ils sont barrés, ouais. Donc ils vont nous revenir sur la gueule. Ouais, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, mais ils sont encore affaiblis. Ils sont trois. Évidemment, il faut que je recharge un moment. Oh, Nayone! C'est bon, je le relève. Aïe. Je le tape dessus. Putain. Mais je retombe par terre, la vache. C'est où pour vous être intéressé? Fais gaffe, moi. Je... Mickey, ouais. On met. C'est bon, second souffle. Attends, comment je fais avec toi? Mais je sais même plus. Bah. F. Ah oui, mais non, c'est vrai que tu changes tes couches. Oui, je personnalise là. Il va tout le monde faire face. Il est mort. Putain, le mec est trop bien pour faire comme tout le monde. Il passe en même c'est plus. J'ai merde. J'ai la chance d'avoir pu investir dans une magnifique. C'est pour les faibles, ça, faut jouer normalement. Salut Aeroster. Oh Aeroster, bonjour. Salut Aeroster. C'est un beau butin. Oui, c'est un beau butin, oui, c'est bien. Ah, oui, ça c'est pour moi, merci. Oh, toutes ces dépouilles d'ennemis au sol, ce carnage. Oh. Ah oui, ça y est. En plus, l'interface du jeu est bien faite qui me rappelle quelle touche est associée à l'action. Ça y est, je sais comment déployer ma tourelle. Évidemment, je le redécouvre après l'assaut des ennemis. Tiens, c'est quoi ça? C'est un cristal, je peux en assez faire. On a combien? On a 44 sur 50. Vivi, nous sixième presque. On écume bien la grotte. C'est beau. Oh, on devrait même récolter des végétaux. Aller par là, apparemment l'objectif dit d'aller de l'autre côté. Des digitales. C'est de l'autre côté qu'il faut aller. Non, mais l'objectif, il te dit juste de retourner à l'entrée de la grotte. D'accord. Mais de toute façon, regarde, les cristaux, si on ramasse le dernier qui est là et c'est fini. Bah je voulais ramasser. Ah, il fallait tirer dessus, ok. Oui, il faut les briser à la base. Ah. Pardon. Au rapport. On monte chercher le coffre qui est au-dessus. Oui, si on peut passer par là. Non, ça marchera pas. C'est trop... Pas le tour. On fait le tour. Il faut faire... Merde, putain, j'y étais presque, dommage. Alors, il va y avoir des mobs. Non. Oh. Ou alors, faut y aller mollo. Oh merde, lui, il y a des... Oh. Crame bien, ça. Alors là, je suis dans la tourelle. Oh, c'est une première tourelle!
Waouh, le l'hélicoptère vital, la gare. Il y a de la puissance électrique. Bon, il m'a fait mal. Bouge pas, Néo. J'ai besoin de docteur. Enfin, bouge pas, oui, tu parles toujours. Ah, la bah non! J'arrive. Ah, ils m'ont injecté, je suis tombé. Oh mais merde, il m'a attaqué! Oh putain, celui-là il est en feu, je peux pas le cramer! Eh hey, merde, je suis mort d'un seul coup! Alors que j'étais pas. Ah, on est tous morts! Non, non, moi je suis pas mort. Non, moi je suis revenu à la vie, moi j'ai ressuscité en zigouillant mon agresseur. Merde, la tourelle elle est pas mal faire une même de. Oh la vache, l'incendiaire brutal il est redoutable. Mais combien c'est con. Ouais, moi je suis un peu vers vous là parce que l'incendiaire brutal. On est obligé de reculer là. J'ai une arme de feu donc. J'arrive, hein, je suis retourné. J'ai été ressuscité, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai été renvoyé aux téléportations, mais pas. Il arrive le brutal. Ouais, c'est un mec. Joli. On l'a eu. Oh, bah, tu vois, tu joues pas pète. Alors, Cortana, t'as fait. La 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 di du la. Ah, la tourelle est de retour. Faites attention, il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. On peut speeder jusqu'au coq si on veut. Sachant que ici ils sont pas tous morts non plus. Ouais. Tu l'as bas normalement, tu peux l'avoir. Ouais, tu veux prendre pas ceux qui ont plus de points de vie. C'est ce qui m'a. Ah, et merde, si on se concentre sur celui-là. Ouais. Maintenant. Tu peux être sauvé s'il vous plaît. Ouais, je relève le sage en premier. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est quand il y a un allié qui est mort à côté de nous, enfin qui est à terre, et qui a un ennemi qui a un faible point de vie, il ne faut pas tirer sur l'ennemi, il ne faut pas non plus sauver la personne. La personne a juste à faire un ou deux tirs, et puis là, ouais, le second tir. Sur l'ennemi, le mob il était quasiment full life, hein, je suis désolé. Ouais, non, mais quand, oui, quand, c'est pas, quand il est presque mort, le mob, il faut le laisser à celui qui est par terre. C'est donc, du coup, il y avait un coffre avec des choses là. J'arrive. Alors, c'était une SMG. Je valide ton propos, Nayonet, mais... Alors, dans je veux dire, pour ma défense, l'interface et le... Comment dire, le rythme effréné du jeu fait que parfois, je n'arriverai oui. pas à prendre l'information. C'est tellement un florilège de couleurs, de flash, de gang-bang, ouais. Au niveau du son, là... Je peux vraiment peiner à analyser la situation rapidement. Oui. Mais bon, c'était juste un. Tu as raison. Oui, tu as raison. Ça fait partie. Les SMG, ça s'arrête qui déjà dans les stats? Pas moi. Moi, je garde une arme de chaque, mais dans les stats, normalement, c'est le soldat. Donc, ça doit être le sage. Ah. Niveau requis 13. Ah, le lance. Je sais pas quoi là. Lance patate. Ah non, pardon, c'était pas ça. De toute façon, j'ai de la place dans l'inventaire, alors on verra plus tard en moment de pause où on fera le point sur notre matos entre deux missions. Ah, mais vous êtes trop pressé, vous prenez le temps de douter. De toute façon, on a fini la mission. Ouais. Parce que au fond, c'est une autre mission, donc ça sert à rien d'aller le faire tout de suite puisqu'on devra revenir plus tard. D'accord. Si je me souviens bien. Ah, j'ai entendu du bruit. Je teste mon arme. Voilà. Oh, le carnage. Ah, tous ces corps, tous ces dépouilles. Alors attends, je profite du moment de calme. Bah je pense salut qu'on va coupon, tous être salut, c'est quelqu'un toujours à la fin du... Attendez. Parce que moi je vois pas mon chat. Ça...
je peux pas mettre devant mon PC, ça se fait pas. Voilà, ce Timio qui fait des bisous à tout le monde. Et ben bien le bonjour et bisous du bonjour. Samedi matin. Oh là, c'est Timio. Commande inconnue. Mais non, mais. Oh là 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 là. Pardon. Voilà, je reviens au jeu. Ah oui, il y a des pupitres de vente de matos. Je me cache derrière. La meilleure défense, c'est pas une attaque, c'est une bonne défense. Offrez-moi vous crier. Oh bah je suis au taquet. Ah non, je suis pas au taquet, j'ai des bêtises. Au niveau munitions, non, 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 je fais des grosses âneries. Là, il faut que je rachète joyeusement. Ah, en appuyant sur espace, je peux acheter le max. Ah, c'est bien ça. Voilà une interface intelligente. Dégâts, elle en fait pas beaucoup. Par contre, la cadence de tir est plus élevée. Oui, bah non, je vais revendre l'arme. Vous savez, l'arme bleue, là, de tout à l'heure, vous m'aviez cédé. Je crois que je vais la revendre, hein. Personne n'est intéressé pour l'avoir. Je fais voir. Voilà, attends, je vais... Ah, c'est le SMG. C'est le Tech 22. J'ai tellement peur de dire une bêtise que je nique ce que je vois. Si je puis dire, inventaire. Alors, je sais jamais comment on fait pour jeter une arme. Jeter espace. Tu dois avoir une. Ouais. Merde, merde, j'ai trop jeté. Non, ça c'est à moi l'artefact. Vous n'avez rien. Je le prends, je le prends. De toute façon, classe soldat, on pourra pas l'utiliser, nous alors. Bon, bah si personne ne le veut, moi je le récupère. Hein. C'est moi l'artefact. Ouais, ou sinon tu le reviens. SMG, attends, tu fais. Mais c'est pour le vendre. Non, mais vas-y. Parce que moi, la mienne est plus faible, mais elle a du dégât électrique. Mm. J'aime bien avoir deux armes élémentaires pour justement. Éviter les déboires de tout à l'heure avec le skag de feu. Là. Bon, allez, je reprends et je revends, c'est ça. Allez, zo. Vas-y. Ça fera de la tunache. Merde, j'ai cliqué un coup de trop et j'ai revendu. Ah, attends, racheter. Tu peux y retourner. Racheter. Ah, merde, merde, merde et merde. Heureusement qu'il y a rachat parce que tu cliques tellement vite avec frénésie que tu fais n'importe quoi. Ah, moi c'est bon, je verrouille les armes qui sont équipées donc. Ah oui, ça aussi, c'est un bon réflexe. Enfin, bon, voilà. Après, c'est le truc c'est quand tu changes, faut bien penser à échanger les verrous parce que. D'ailleurs, Nash. Pas faire les verrous, j'arrive. Les gaz du samedi. Oh tiens, moi aussi j'ai trouvé un trou pour faire popo. Mais tout le monde est prêt là? Ah non, regarde, je cherche le verrou en fait. Vous ailleurs? Pervers. Ah c'est là. Et... voilà, bon sur le naïonné. Nous sommes à l'arrêt. Allez-y. Laquelle? La réplique. Ah oui, il faudra que je regarde si dans l'interface, c'est pas l'interface qu'on vient de voir, si j'ai pas des points de compétence à déverrouiller. De par hasard, les voitures ont disparu. Bonjour cousin. Yop. Bah, ma webcam est cassée, me dit ma webcam. Vous me voyez pas? C'est figé. Bonjour en bas à gauche, mais c'est figé. Ouais, c'est figé et puis je peux dire que c'est plutôt pas mal. Ah, bon bah je vais laisser. Si un petit peu la bouche en cul de poule, c'est rigolo. De toute façon, les cams se fichent toujours mieux en position, ouais. Hein, c'est pas ça? Je sais pas pourquoi la webcam a lâché. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Au moins ça m'évitera d'avoir la lumière dans la tronche, ça m'évitera d'avoir mal aux yeux. Ouais tant pis. Je suis parti à pied alors qu'il y a des véhicules, je comprends pas. Je vous laisse mon image figée, c'est pas un souci. Ouais, de toute façon, moi je suis en train de speeder jusqu'au rendu de la quête. Hein, parce que les mobs ici, de toute façon, ils sont trop bas level maintenant pour nous faire... Le Rio. Le monter. Salut cousin Rio. Entre Nancéen, je veux bien, mais qui... Bah, pourquoi j'arrive pas à monter? Ah bah entre Nancéen, il se monte dessus, bah bien. Finalement, la légende est vraie. Oh.
On a eu raison de s'éloigner, Nash, je pense. Cette arme de boule. Ça aurait été dangereux pour nous. Ouais. Il aurait fallu raser les murs. Serrer les fesses. Serrer les fesses. Je comprends mieux l'histoire de l'arrêt maintenant. L'arrêt de bus. Ouais, l'arrêt de bus, oui. Je connais personne qui s'appelle bus, mais... Bien évidemment, c'est ce que je l'ai tué d'un seul tir. Oh, dis donc, et t'as vu le sage Vanifraise? Vanifraise. Bah, les véhicules. Ah oui. C'est cool. Est-ce qu'on est assez chaud pour se tenter la dernière manche de l'arène qu'on avait faite? Coucou. Bon, sachant qu'elle est niveau 18 et on est niveau 16-17. Allez. Neutre. Ouais, la dernière manche, comme ça, c'est cool aussi. Les Nancéens sont neutres. Donc les Nancéens valident la proposition puisqu'ils sont neutres. Oh, c'est par là. Non, c'est pas là du tout, j'ai pas dû cliquer d'accord. Sur la guette. D'accord, j'ai cru. J'ai spéculé. C'est par là, je crois. Il y a des skags qui nous arrivent dessus. Ah, il veut. Oh, j'ai retourné la voiture. Bien joué. Bah ouais, putain, tu as tué tout le monde. Ouais. Oh! Il est poussé, mais il fallait que je... Le moyen de... tu peux nous en laisser un peu, s'il te plaît? Espèce d'égoïste. Je veux toute l'XP, je veux toute l'XP. Pardon. Il va me lâcher, lui! Vous êtes dans mes pneus, écartez-vous! Ouf! Je l'ai eu avant. Bien, bravo. Bon allez. Arène, voilà. Hop là. Eh hey. Bam. C'est mis clic. Fameux clic droit. Si, je mis clic. Ah, ça, j'ai bien allié. J'ai récupéré des... Je vais allier. Alors. Attends que le... On attend le petit stage et... Le petit sage. Et le Dicef de Nancy. Enfin non. Et Nash Yone et Nayo Chaveman. Oh putain, oh t'es parti dans un truc. Bon, je suis plein aux as. Enfin, j'espère qu'il y aura des belles armes. Attends, fais voir mes armes, j'ai niveau. Qu'est-ce que c'est de dégâts cette arme? Mais oh mon dieu, cette photo mystère. On dirait presque un tableau mystère. Mais non, là c'est une photo mystère d'un Borderlands. Fait partie des textures. Fascicule plus 2 degrés Celsius. Oui. Parle de réchauffement climatique. Surpopulation de la planète ou quoi? Il y a des choses étranges sur le panneau d'affichage. On croit. Donner du sang. Give blood. Give a blood. Ah oui, il me dit que j'ai obtenu un point de compétence, effectivement. Runner for sale. Ah oui. Alors si je prends celui-là. C'est quoi ça? C'est pas. C'est bizarre. Ah, je vais pas comparer avec mon inventaire, c'est abrutissant ce truc. Tu sais, je peux comparer avec mon inventaire. Ah oui, j'ai trouvé. Si tu compares, mais il faut descendre. Alors. Alors. C'est pour ça que moi je préfère. J'équipe mon arme et puis je lui passe toutes les unes après en sortant. Ok. C'est pas terrible les dégâts en plus. Hein. Plus 1% de santé par seconde, ouais, bof. Attention, vous pouvez soigner des membres. On changerait l'arme quand ça sera plus efficace. Est-ce que j'ai le temps d'aller préparer un café? Oui. Vas-y. Ok, j'arrive alors. Mais 100% baba cool. Moi, je suis en train de lire mon interface de compétences. Est-ce que j'ai le temps de me faire chauffer un chocolat chaud? Ben oui, ça va prendre un quart d'heure. Ben non. Commence à lui dire de se chauffer, tu verras plus tard. Je te l'ai chauffé, ouais, c'est une bonne idée, ouais.
Est-ce que j'ai le temps de me cuisiner des viennoiseries, sachant que la farine, le blé est pas encore moulu? Ouais. Ta chère, c'est un appareil à moudre le blé à pédale. Comme ça, tu peux pédaler pendant que tu joues. Tu rigoles en disant ça par rapport au confort moderne, mais je me rappelle que j'eus plaisir de déguster la toute première brioche faite avec justement ce genre d'appareil par ma frangine. Et c'était un délice. Je fais vœu de pouvoir redéguster des brioches faites par ma frangine, que j'embrasse. Des bonnes brioches. Ouais. Et ça change franchement de l'industriel. Oh bah, ah ouais. Tu m'étonnes. Hein. Moi, ma mère, on fait des maisons de brioches. Oh, la brioche. Ça va me faire regretter de ne pas connaître ta maman. Parce que si elle est bonne cuisinière, miam. Bah, je... voilà, pardon. Hop là. Alors, soldats suréquipés, on a la capacité des chargeurs des armes de tout type. Oh. C'est vraiment la tempête de métal, tu as un ennemi dans le cœur, je tire à la vue, T'as fini de t'égosiller, oui. Ouais, j'ai fini. Voulais amuser la galerie. Recherche de bouclier. Ouais. Alors, dans l'arène, le sniper, c'est pas la peine. est-ce que j'ai mon arme entendu, mais c'est normal, il est pas là. Attends, on va peut-être pas tous rentrer parce que ton pneu, je sais pas là. Mm-hmm. Histoire que ça se lance pas pendant qu'il a AFK. Mm-hmm. Ouais. Ah, j'ai des artefacts maintenant. Élémental appliqué. Ah bah tant mieux. D'accord. Normalement, si je fais ça. Téléportation. Juste invisibilité, mais je fais nombre de dégâts électriques en fait. Plus mon arme de feu, normalement, ça devrait être bien. Là, c'est pour les spectateurs à la hauteur. Ah ouais. Bah oui, mais bien, on lance l'arène, on regarde Nash se débrouiller pendant qu'il est AFK. Allez Nash, allez danse. Ah, ça évite de faire des bêtises. Et bêtises, toujours des bêtises. Ah, bah y'a un mode que je peux vendre que j'ai en trop là qui est super faible et qui est du début. Ah, je vais faire un truc, je vais faire ça, tiens. Bah oui, je vais le vendre. Yeah, trop bien. Qu'est-ce que t'essayes de faire là? Ah, je suis content, j'ai optimisé mon matériel, les copains. Moi j'essaye de faire danser Nash, mais il danse pas, c'est pas juste. Pourtant, je lui tire bien dans les pieds comme dans les films. C'est bizarre comme tribune. Comment on fait pour monter à la tribune? Ils ont même pas mis d'échelle, faut escalader des chapeaux d'âge. C'est un scandale! Ouais, la dernière manche. Je voulais pas enclencher ça. Oh, quelle andouille. Ouais, ça va vite revenir. Enfin, ça dépend de ce que t'as mis comme compétence. Eh bien vu la petite boîte. Ouais, j'ai vu la compétence. 6 secondes de la recherche de ma compétence. Elle se recharge déjà pas mal vite. J'appuie sur F comme une andouille. Et là, juste après que Nash ait pris son café, je vais faire un café aussi. Ensuite le sage, ensuite petit Seb. Ce sera le. Je bois pas de café. Deux minutes de café. C'est bon, du. Ah, moule. Ça y est, tu fais le foufou, la lunette. Je te vois venir. Ouais. C'est bon, j'ai la fonction F activée. J'électrocute Nash, mais il se passe rien. Ah!
cousin Rio va aller couler son café aussi à son tour. Eh ben, mon café. J'ai cru qu'il allait dire couler son bronze, mais bon. J'avais pensé exactement la même chose. En fait, ça m'étonne plus que le sage ait dit couler son café que couler son bronze, tu vois. Ouais. Pour qui on le fait passer, hein? Pour ce qu'il est. Hop, pardon. J'ai un cake dans le four. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Il est cuit. Qu'est-ce que je fais? Tu le déboules. Ouais. Voilà, cousin qui répond. Il répond. Il ronronne du coup. Aïe aïe aïe, m'en parlez pas. C'est stylé comme qu'ils aient pensé à au cercle qui est en rotation là, qu'on fait un zoom. C'est pas mal comme ouais. Animation. Ah oui, 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 c'est donc, rigolo. Ouais. Au lieu de garder quelque chose qui est inerte, c'est pas mal. C'est bien pensé. C'est le petit détail qui fait toute la différence. Je comprends pas de quoi tu parles. En fait, c'est le viseur qui s'ajuste. Oui, quand tu fais le zoom de ton arme, t'as le cercle intérieur de l'arme au niveau interface graphique qui est en mouvement. La lunette. Donc ça rend vachement vivant. J'étais le sage. Je trouve que c'est une très bonne idée. Avec un snipe. Oui, mais j'ai la même avec, par exemple, l'arme d'assaut. Ça, c'est pas la même avec toutes les armes, même quand tu le fais avec un pompe. Parce qu'avec le pompe, tu vises sur la pointe, normalement, qui dépasse au milieu. Tiens, d'ailleurs, son voyeurisme de ma part... Ah oui, non, c'est un tatouage intégral de corps. Ce que je me dis, c'est bizarre, je vois un drôle de symbole sur ta poitrine. Au niveau du passage de la sirène, mais non, c'est tout le corps. Oui, mais c'est propre aux sirènes, en fait, les tatouages. D'accord. Enfin, je pense que je dois y avoir d'autres persos qu'en ont des tatouages. Je tirais un peu les volets, les rideaux, pardon. Je suis une sirène, moi aussi. Là. Je sais pas. Est-ce que t'as une queue? Une queue, non. Par contre, j'ai un tatouage, oui. Mais il manque plus que toi, mais dès que tu rentres, le sage, ça lancera la reine. Ouais. Ah, ça y est, c'est parti. Attention, armez-vous. Ah, c'est bon, j'ai mon pistolet au feu, là. J'ai tout cramé. Allez, c'est parti. Mais ils sont au niveau 15, donc ça reste tranquille. Non mais le problème du niveau 18, ça va pas être les premiers, ça va être le dernier mode. Et les alphas sont là. C'est un détail purée, il y en a encore trop plus là. Ah, il y a des trucs là. Char de merde. Oh, bien, aïe! C'est quoi? Aïe, oui! Arrête, c'est pas bien, ce que j'ai fait. Je vais boulotter, moi, je viens de prendre vie. Bon, on a le corps. En train de profaner une cadavre qui est pas encore mort. Ah, purée, mais j'ai un alpha qui me donne à la tronche. Vous avez pu relever le sage? Il est où? Oui, je suis arrivé pendant le round. Oh putain, on a enflammé là. Aïe! Eh merde! J'essaie de relever quelqu'un. Et merde, je suis tombé par terre. Et voilà, on a perdu. Close of dead. S'il vous plaît. Qui survit. Attends, je relève Nage d'abord, c'est lui le plus faible. Merci. Le sage est en train de te relever. Oui. Putain, je l'ai éliminé. Debout, soldat! Là, je récupère la santé quand même un petit peu. Je vais équiper mon arme. Bah, vous êtes tous rentrés, du coup, ça a relancé. Ah merde! C'est pas cool, sachant que vous étiez pas prêts, surtout. Bah, ouais. On n'a plus de munitions. Aïe.
chiens, faut que je les vois pas. En fait. Oh putain, mais... je tire un alpha, il y en a un autre qui me passe devant. Du coup, qui est par terre? C'est le sage, je monte. J'ai tué un alpha. Il y en a un autre qui me spawn sur le nez. Ah putain, mais il me casse les trous, merde. Je réanime le sage. Merci, t'es un chef. Oh putain, je suis à deux doigts du sol. Fais gaffe, il y a un alpha sur le groupe. Je dégage. Quelqu'un a disparu. Ouais, quelqu'un a disparu. Attendez, rentrez pas tous. Oui, rentrez pas. Attends, je vais sortir. Je vais prendre des munitions. C'est bien, tout le monde me laisse crever. Ah merde, t'es mort. Ah, on me réanime, merci. J'ai pas fait gaffe, excuse-moi. Merci. Hop là, c'est monté de boulot ça. Attends, merci, je vais récupérer les munitions, je vais récupérer tout ça. Ouais, mais là tout à l'heure c'est vraiment le méga skak de feu là qui nous a un peu pulvérisé, un peu beaucoup défoncé la gueule. Ah oui, les trucs ont changé. Bon, effectivement, je conçois la nécessité de racheter des munitions après un tel carnage. Ouais. Pour moi, je rentre dans l'arène. Je vais vérifier mon sniper. Il y a combien de niveaux en expertise d'armement? Je crois que c'est 10, mais je suis pas sûr. Je reviens te voir, mais. C'est possible que ça soit plus. Alors là, j'ai pas mangé le sniper, je voulais regarder celui-là. Oh putain, il est meilleur. C'est où que je vois mon optimisation de. Le sniper est bien meilleur, mais avec 3 balles dedans. Dégâts 40, d'accord. Mais... J'arrive pas à savoir si j'ai moins ou plus. Ah, 35, ouais. Non, vaut mieux qu'elle me soigne, les grenades, ouais. Vaut mieux qu'elle me soigne. J'ai pas gagné un point de compétence avec ce... Ah non. Où est-ce que je vois la jauge? Non, je la vois pas, il n'y a pas de jauge apparemment. De jauge pour quoi? Pour la compétence suivante, je vois niveau, XP... Ouais, c'est chaque fois que tu montes un niveau, normalement. Bon. Ok, merci. Donc c'est bon, je viens de comprendre l'interface. Bon, j'ai la régène de santé, c'est marrant ça. Le pistolet de feu, la SMG électrique... Et mon gros flingue d'assaut, c'est bon, ça devrait être pas mal. Ah, attends, ça c'est quoi? Ah, d'accord. Ouais, ce qu'il y a, c'est que moi, dès que j'ai perdu le bouclier, que je commence à perdre trop de PV, en fait, je me mets invisible et j'attends parce que ça me. Mon invisibilité me régène les PV de ouf et ça me permet de relancer la recharge du bouclier. Oh. Alors après, pendant que je suis invisible, est-ce que je peux relever quelqu'un en restant invisible? Je crois que je peux, je suis pas sûr. J'ai pas eu l'occasion de tester parce qu'il y avait tellement de monde sur vos corps que c'était pas possible d'approcher. $40 aux larmes. Minab. On y retourne? On y retourne. On t'attend. Ouais, on attend que toi en fait. Ah d'accord. J'ai pas de signal, excusez-moi. C'est le petit mon kiki. Merde. Ils sont toujours au niveau 15. Et oui, parce que c'est une arène avec un niveau spécifique. Oh, déjà un steak alpha. Oh, mais oh, il me. C'est chiant, on ne voit pas arriver. Parce que, en fait,
on se concentre sur la première ouverture alors que c'est pas la seule qui s'ouvre. Ah vas-y, vraiment bien, c'est bien. On arrose et on les crève. Je me devais être sauvé. Mais j'ai... Il me fait pioler. Ouais, je vais mourir aussi. Ah ils sont presque pour moi là, je peux te dire qu'il y a plus aucun. C'est surtout celui de feu et à spawn déjà en fait. C'est bon, je vais le sauver. Je vais prendre de réanimer un H. Ah, merci. Ah, c'est bon. Putain, mais... Oh, c'est trop manger mes madames. Ouais, je peux pas réanimer pendant que je suis... Ouais, mais... D'accord, est-ce que je peux... Non, non. Ah, merde, putain. Ah, dommage, on a perdu... Nayone. Ouais, j'étais à deux pas. Mais une hache aussi. J'ai testé, je peux pas... Je peux pas réanimer pendant que... En fait, ils sont nombreux, c'est pas le lieu. Comment nous rembourser les munitions? Il faut pas qu'on se concentre sur Christella. Le... Salut Christella. Bonjour Christella, oui, elle dit bonjour à toute la tribu. En fait, il faut pas qu'on se concentre tous sur la même entrée. Oui. On pourrait tous être dans le même coin pour les accueillir. Enfin, c'est un front, je pense. Peut-être. Non, mais c'est que là, on était tous les quatre à regarder la première entrée. Donc, t'as les deux premiers qui nous arrivent devant, on commence à les flinguer. Mais sauf que t'as deux autres entrées qui s'ouvrent avec au moins deux mobs qui sortent à chaque fois. Et donc, du coup, on se fait prendre à revers de tous les coups. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Je reprends juste un coup de munition au cas où. Je vais être ici. Donc chacun une chacun verra une entrée, mais franchement faut qu'on les cible. Non, je sais pas ce que je disais, mais bon. Ouais. L'entrée vers Nash, il y en a deux en plus. C'est parti. On fait des Nash. Le problème c'est les alphas qui nous foncent dessus et qui nous éjectent. Là. Est à terre. Le sage. J'ai... Je sais pas. Ah bah, je suis plus fort toi là. Viens pour moi là. Voilà, je suis mort. Vas-y, relève-le, je me sors de. De tanker les mobs un peu. Voilà, pour les empêcher. Voilà. Celui qui est derrière toi, je l'ai bien cramé. Aïe. Il est par terre. Je suis à terre, à bas terre. Merci. Ah putain, je peux pas te relever. Ah merde, ça va être à moi de le faire. T'es où Nash, ta fille? Ouais, c'est trop tard. Enfin, oui, relève. Je suis par terre. Ou alors, on fait ça plus tard. Ouais, oui. On va faire ça plus tard. Parce que... Marc, si on le fait encore une fois, moi je suis niveau 18. Hein. Pareil. Ah merde, mais vous êtes tous rentrés. Mais, on a pas le temps de partir surtout. Oui, non, mais la personne qui était morte est rentrée tout de suite. Donc, oui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, excusez-moi, c'est mon erreur. Bon. Route au niveau 18, hein, c'est ça. Bah, j'aime bien parce que le premier try a été le meilleur. Hein. Ouais. Oh putain. Je suis toujours, je suis toujours. Qui dit Psycho. Il est où le sage? Il a eu super. Déjà mettre un visite. Il est mort. J'ai reculé pourtant. Il est presque. Merde, désolé hein. Ah putain, non, mais j'ai loupé. Oh non. T'es quand t'es à terre, ça tourne trop lentement le. Ouais, puis surtout que j'avais appuyé sur le bouton pour te attraper et normalement ça t'aurait tué. Rentre pas dans l'arène.
je sors. Comme ça. Hop. Voilà, vous pouvez rentrer si vous voulez, mais bon. Plus fort et plus terrible. Je vais rentrer dans l'arène, hein. Je vais chercher le... du matos. Bon, c'est plein pour tout le monde ici. Mais en fait, on se fait virer de l'arène quand il y a... quand tout le monde est... merde. Quand non, tout le monde est mort, c'est pas... Dès qu'il y a un seul mort, dès qu'il y a un seul mort, ça finit l'arène. Il faut qu'on reste tous vivants jusqu'au bout, en fait. D'accord. Être à terre, c'est pas grave, mais si on despawn, ça arrête. Qu'est-ce qu'on fait? On farme encore ou pas? Ou on va faire l'émission suivante? Autant aller faire la mission. Enfin, c'est comme vous voulez, on peut refaire un test maintenant qu'on est tous montés d'un niveau, mais je suis pas forcément convaincu. Je pense que c'est le. En faisant la mission, on trouvera peut-être du meilleur stuff et ça nous aidera peut-être un peu aussi. Bon, les compétences aident. Je sais pas si vous utilisez bien vos compétences. J'ai vu la tourelle du sage. Mais... Après, les autres, les compétences, je les connais pas trop. Moi, ouais, c'est les compétences de contact quand je suis en mode furie. Ça booste plein de trucs. Envoie un piaf. Concentré sur l'arbre furie. Et ce piaf est bien inutile. Un piaf? Ouais. C'est sanguine. C'est l'oiseau de l'ordre des gars. Bon allez, on va faire d'accord. La principale, surtout que maintenant qu'elle est elle est grise tellement on a monté de niveau. Ouais. Comment tu vas, Christella? Parce que t'es tellement à faire nos imbéciles, là, qu'on t'a pas demandé. C'est remise de sa soirée mort dans l'espace, troisième opus. Approchez trop tard. Dans le véhicule de petit Seb. Mmh. Les anciens sont séparés. Ah. Il y a eu la rupture là. La rupture du barrage, terminé. La rupture du coup de Nancy. Les premières de Nancy. Et c'est quoi la quête? Parce que depuis tout à l'heure on a. Qu'on doit faire. Les points de briques sont aussi puissants que là. Fallait dormir plus que c'était là, fallait te reposer. Donc cette carte qu'on est déjà là, en fait, faut juste qu'on aille jusqu'à la sortie. Bon, il va y avoir du mob. Hein. Je suis petit Seb. Moi je suis le loot potable possible. bah c'est intense. Il est tout avant qu'on est en vérité. Ça m'intéresse pas. Je le jette. Ah oui, c'est de la merde. Après le point de prix, tu vois. C'est niveau 4. Efficace, professionnel. Super rigole, tu là. Il a cramé. Attends, je change un truc dans mes options parce que j'ai remarqué que j'ai ma visée qui arrêtait pas de bouger toute seule, c'est en train de me saouler. Je comprends. Vas-y. Surtout pour un sniper. Ouais, mais c'est comme s'il y avait, l'aide à la visée, c'est en train de me galérer. Ah. Le but
coup, il a fait 2 secondes, là, c'est bon. Wouh! Ça en fait un autre qui mord la poussière. Vas-y, fais un peu plus résistant, mais c'est la même merde. On gagne pas beaucoup de niveau, hein. C'est un peu. On prend des dégâts électriques, là. J'aurais préféré avoir du corrosif, mais du électrique, c'est déjà pas mal. Ah ouais, putain, c'est activé. Je rêve. Putain, tu fais aucun kill à cause de ça. Je m'étonne que je me fais chier. Attends, est-ce que je ramasse? Non, je peux pas. Ça doit être plein. J'aime bien que tu dis dos droit, tu une scène parce que en fait, ma webcam elle est figée. Mais non, ça va, je suis bien assis. Mais c'est vrai que j'ai encore bobo au niveau du bas du dos, des reins. Mais non, je suis bien assis, ça va, merci, tu une scène. Mal, mais lâchez l'onglet, ouais, voilà. J'aurais pu le descendre. Alors, moi, mon style de jeu, c'est vraiment le sniper. Et le problème, c'est que avec vous qui les fait, avec deux d'entre vous qui êtes corps à corps et qui passez devant à chaque fois, c'est un peu relou d'attirer. Bah oui. De toute façon. Vous pouvez ramasser, hein, ça va être que des armes pour la vendre, elles sont niveau, pour la vente, elles sont niveau 4. Ouais. 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 J'ai un nouveau crétin devant chez moi, vie réelle, je précise, qui s'amuse à faire du moteur là. Oui, parce que des crétins, il y a au moins moi dans le vocal, hein, alors faut préciser. Mais non. Ah, il a précisé vie réelle, donc ça va. Oh, le headshot! C'est vrai que de toute façon, c'est le cas pour tous les racks. Faut attendre qu'ils se dessus pour les avoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gars à sniper? Est-ce qu'ils sont planqués? Ah, ils sont de sortie. Genre, son arme. Hop là! Ah, ce sniper est bien, mais le problème c'est que quand j'ai tiré, j'ai une perte de stabilité, c'est ouf. Putain. Oh la vache. Mec, je crois que t'as le feu au cul. Moi. Viens voir ton papier. Oh. Je lui ai mis le feu. Ce soir, vous met le feu. Les chiens, j'ai pas fini. Bah ouais, mais les autres ils chantent pas, c'est triste. Non. Des munitions. Elle sadique, crame un peu, s'il te plaît. Sadique brutal, tiens, mange les grenades. Oh, bien joué.
J'avais reçu 27 dollars. Waouh, petit Seb qui fait un saut suicide. Mon dieu, il m'a fait peur. Moi, non, je fais un salto latéral. Eh ben, dis donc. Impressionnant. Y'a rien là-bas. Bizarre. J'ai un peu pour la lunette. Incompréhensible. Oui, ah oui, fusil à pompe à lunettes, oui, ah ouf. Bienvenue à Bordel Land. C'est ça. Il y a ça dans un autre jeu aussi, je sais plus lequel. Il faut un peu de chance pour réussir. Moi je veux un lance-roquette à baïonnette. Bon, le snipe, je sais pas s'il va intéresser Nash. Non, il intéressera pas Nash. Je te dis, le snipe est niveau 5 et l'arme est niveau 4. Hein, donc si. Ramasser pour faire de la thune. Je ramasse pour faire de la thune. Il reste un fusil à ramasser, le sage. Ok. Ouais, c'est juste avant qu'on s'en aille. Mickey. Le réflexe. C'est ça. Ah oui, je me souviens, j'avais fait ça tout seul. Alors, la maison sécurisée de Sledge découverte. Mais pourquoi mes succès sont indiqués en haut à droite alors qu'un moment j'ai acheté en bas quel à droite. Pont, j'ai acheté une arme de merde. Oh, le réflexe. Pourquoi Steam a changé mon interface. Attendez, moi j'en profite pour... Pourquoi mon interface. Oh le con, j'ai perdu 9000 dollars. On t'a acheté le truc qui était en objet du jour. Oui, voilà, je me suis planté. C'était quoi. C'était une arme niveau 4, je crois. Attendez, activer machin... C'est vrai que le sage, on dirait que tu joues allongé. Sur l'air drapeau. Oui, c'est bizarre, ouais. Mais bon, comme elle s'est figée, ma webcam... Ah non, c'est un mode de grenade à caoutchouc. Alors, le mode de grenade explosif à caoutchouc. Elle rebondit puis explose au contact d'un ennemi. Interface française... T'arrives à voir quelque chose, Nash? Ouais, il y a des ennemis un peu partout. Merde, je peux pas... Ça va être du close combat, ça. Je vais équiper mon pompe alors. J'avais pas vu, j'ai des armes avant. Oh, j'avais pas vu, faut que je mette un push to talk parce que vous m'entendez via Discord. Je viens de découvrir un truc sur que j'avais mal paramétré dans Steam moi. Merdoum, je peux pas dire que... Attends, compteur en bas à droite, mais les notifications, pourquoi elles sont passées en haut? Je les avais en bas avant. J'ai récupéré ça, j'ai perdu 5000 dollars dans l'histoire, mais bon. Ah, vous êtes tous à l'arrêt. Pardon, ouais. Bah, on attend que tout le monde soit prêt. Bon, je verrai plus tard, tant pis, je vais pas me battre avec ça, c'est... Alors, Nash est ceinture noire de Water Closet Combat. Oh. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Christella, hein. Oh, on réglera ça en privé. Ouais, peut-être que tu vas partir en courant, si je... Ouais, c'est ça, je me dirais que tu joues à longue. Mais non, regarde, en plus, avec la vision de petit Seb, on dirait qu'on est prêt à faire un assaut. Ouais. Ouais, c'est l'instant de calme avant la tempête. Ouais. Tu utilises pas le snipe, Nash? Bah pour, moi, pour, le, peu... pour le premier au moins. T'en descends un, après on fonce. Ah, celui-là il est mieux, tiens. Ouais, moi je fonce. Chargez. Ah ouais, non mais voilà, on a un buffle devant, forcément, ça va être compliqué. Tu comprends pourquoi je râle que j'arrive pas à sniper? Que je défonce tout le monde. Allez, bim. Mais c'est parti. Oh bah... Je suis coincé. Pourquoi je suis coincé? C'est le karma d'Ayone, ça s'appelle. Ah, finalement, c'est quoi ces trucs rouges par terre qui explosent? Voilà. C'est sûr. Ça doit être mes grenades qui donnent de la vie sur les dégâts des ennemis. Ah, c'est ça. Ouais. Non, mais ça. Ça fait des petites boules d'énergie qui nous reviennent. Est-ce que je peux ramasser quand même du matos à un moment donné, s'il vous plaît, pour le vendre? Oui. Bah vas-y. J'aimerais bien, moi aussi. T'as un truc là. Horrible.
si on était deux. Encore un coup. Ouais. Ouais, bien joué. Oh, cette grenade. Waouh. Oh. Les grenades à sous-munitions, il y a que ça devrait. Comme on est dans l'intérieur, je suis aux pompes, hein. Pas de pitié. Non, ça, ça l'a décalé. Putain. Vous êtes sûr que vous fouillez bien les lieux? Ça a l'air tellement riche. Non, pas du tout. Non, je... Là, je t'as un flingue de merde, si tu veux, Nash. Là. Ah, c'est qui me tire dessus, là? T'as droit, Nash. Rien de tel qu'un petit défi. Il pétait le feu. Nash, là, dans les trois casiers qu'il y avait... Ah, ouais, merci. Un flingue. Comment ça, il est une fuite? Qu'est-ce qu'il fait là, Claptrap? Bah, c'est Claptrap. Dans le 1, il est dans plusieurs endroits où à chaque fois, il faut trouver une caisse à outils pour le réparer. Il est vraiment dû le réparer. Là, c'est toujours en zigzag les lieux pour faire du sniping, mais c'est pas possible de tirer à distance. Mmh. Oui, c'est ce que disait Nash, on va être obligé de faire du cac. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais lui laisser sniper une fois au début, tu vois. Bah, oui. Ah! Je n'ai pas compris ça comme ça. Elle a compris qu'un que... Oh, brunette. Ouais, c'est un peu... Le personnage qui est comme ça, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est... Oui. Il y a des armes par terre, Nash. Ouais, il y a des armes pour moi, là. Allez, viens voir ton préfère. Quand vous aurez fini, j'ai un coffre. C'est fini. $50. J'ai un coffre, il y a quoi dedans? Un peu pour pompe. Bon, ça m'intéresse. Oh. Moi ça m'intéresse pas, tu peux le prendre. Ah vas-y, moi le pompe. Ah non, c'est pas Claptrap. Non, c'est des Claptrap. C'est pas le Claptrap. Donc il faut trouver la caisse à outils. Ouais, c'est le même niveau, c'est pourri. Je crois que j'ai une fuite. C'est dommage que pour le film qui va sortir, ils ont pas pris cette voie là pour Claptrap. Ah oui, dommage. Il est décédé, hein, celui qui était Claptrap. Ouais. Il y a quelque chose ici. C'est vrai que le jeu est plutôt jeune. C'est rouge, regarde, on peut pas y aller. Comme dans le... Ça c'est rouge. C'est n'importe quoi. C'est par où la fête. Ah merde. Oups, je me suis mis dans la merde tout seul. Que oh. J'arrive. Aïe! Non, mais le machin me dit une balle, je suis mort. Attends, bouge pas. Je suis à terre, là. Au secours. Vas-y, avancer alors que moi je suis retourné en arrière pour essayer de trouver le truc pour la quête de Claptrap. Je suis avancé pour voir s'il était pas là-bas, sauf que ça a déclenché le script alors. Oui, non, mais c'est sauf que en fait, on l'a indiqué sur la map. Et du coup, c'était en arrière donc. Oups. Ouais, c'est bizarre. Je pars là. On revient d'où? Là? Ouais. Et le kit, il est, tu vois, il est. Il est ici, là, mais. On est tous au même endroit, je pense. Ah bah. Attends. Une sauvegarde là. L'enclencher. À moins que ce soit Claptrap qui nous soit indiqué. Non, c'est bien le kit. Il est là. Je l'ai. Ah, bien. Je l'ai. Où C'est bon. Ah, il était sur le game d'aération, c'est ça? Ouais, il était tout en haut. Ouais. On va pas les sauter. Aller faire quelques sauts un peu exotiques. Même pas besoin de faire les sauts exotiques, c'était juste à côté. Ah ouais, c'était juste là, y'a pas besoin de faire le tour. Enfin, vous pouvez faire le tour pour ramasser l'objet en question. Il y a 4 PTP. Oui. Attendez-moi. J'arrive.
Ouais, il n'y a pas de pied, légèrement en larmes. Ah ! Il manque pas quelqu'un. Le sage ? Oui, il manque le sage. Kit d'optimisation de stockage. Il y a des armes. Alors est-ce qu'il y a un fusil à... Le sage, il est retourné au tout début, je crois bien. Oui, des pistolets, yes. Allez-y, servez-vous. Bon alors attends. Ça valait le coup que je retourne au tout début parce que j'ai gagné un truc. Le pistolet. Électrique, il est bien. J'ai gagné une extension de mon sac à dos. Ah mais c'est pas de pistolet automatique. Ça, attends, c'est un revolver. À droite, c'est un revolver. Ouais. Et quoi, moi j'ai un revolver en main. Je te laisse en prendre un, Mâche, après. Je vais essayer le revolver, mais j'y crois pas trop. Prendre celui-là, tiens, hop. Ça, de toute façon, j'ai des bonus en... avec les pistolets, normalement, donc... Ah, Mickey. Moi, je suis en bonus avec toutes les armes, donc je prends toutes les armes. Ah bah... Non, mais je sais, c'est... mais c'est pour ça que j'en priorise certaines, et je vous laisse les autres en premier, sinon... Dégueu qui... Ah, c'est du sang qui dégouline de l'étage supérieur. Ah, c'est horrible. Ou alors c'est les toilettes qui sont bouchées et qui débordent. Ah, c'est répugnant. Merde. C'est un pompe, ça? Ouais, c'est un pompe. Oh, il est meilleur que le mien. Je peux le prendre, d'ailleurs? Pour une fois, vas-y. Il y a un coffre en dessous. Oh, c'est avec des munitions. Vous avez vu à quel point c'est haut? L'air frais doit être en surface, au sommet. De toute façon, les munitions sont prises automatiquement pour tout le monde. Quand on passe à proximité. Pardon. Attends, déjà arrive, hein. J'ai ramassé des trucs. De l'argent. Des caisses à ramasser. Ah. Bon, c'est que des munitions. Et du fric. Oh bah là, il y a plein de trucs. Il y a un coffre caché là encore. Voyons si la chance me sauve. Oh, qu'est-ce que c'est? Encore des shotguns? Ah, c'est pour noyonner. Ah, un shotgun, ouais. On est ouais. On va avoir de la cavalcade. Tu peux prendre les deux. Vas-y, c'est tout pour toi. Joyeux Noël. Et bonne bar mitzvah. Merci. Ah, merde. Quoi, ces problèmes de sourd là? Ouais. Il manque un petit Seb qui est. Non, non, parti on est en hauteur. C'est pas moi qui suis monté, c'est Nash. Pardon. Bah, je voulais le truc là-bas alors je pensais qu'il fallait pas. Enfin, c'était le chemin alors. Ah mais c'est le chemin là. Attends, y'a un truc au-dessus. T'as arrêté de te coincer dans les trucs là, ouais, le perso. Ah y'a un passé, y'avait un truc. Oh, on peut monter en haut, y'a une casse. Et où? Ah oui. Alors attends. Tout par là, l'esprit. Une caisse à roquette. Dérange personne. Alors nous avons... un shotgun et un fusil d'assaut. C'est là qu'il faut monter, le petit sel. Ouais, c'est ce que je... Non, c'est pas ce que je voulais faire, putain. On va jouer ce tour. Ah, le shotgun. Non. Et le fusil d'assaut. Ah, je peux monter, ça n'a pas de sens. Shotgun, ça m'intéresse. Tu devrais t'enfuir. Ah, qui tient à terre. Vas-y, achève-le, le sage, achève-le. Mon compte de mort augmente. J'attendais le dernier moment pour le relever s'il y avait besoin. Oui. Bien vu, merci. Machi. Comme ça, il fait le défi de se relever en tuant des gens. Oui. Mais vous avez vu, c'est un garage. Ils ont suspendu un châssis de véhicule qu'ils essayaient visiblement de réparer. Bah c'est ma déesse. Non, c'est un pélican. Ouais, tu conduis sacrément mal. Hein.
Disons que je fais confiance à mon garagiste, en fait il l'a désossé. Pas mal le logo, bien pensé. Le logo. Lequel? Ouais, sur le, regardez le drapeau, c'est un ah oui, crâne grenade. Ouais, avec la demi-grenade en ce café. C'est bien pensé. En fait c'est un... Ouais, c'est une grenade, mais c'est une sorte de tasse de café posée sur une tête de crâne. Je pense que c'est un boss. Oui, c'est le boss. Je vois pourquoi, j'ai la même intuition. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui fait croire ça? Je comprends pas. Hein? Non, c'est une boîte de nuit en fait. Fais-toi le sage. Oh non! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu te soigneras avec tes grenades. Ah oui! Oh le gros! Oh, il a plein de... Il y a des gros et des petits. Il a fait un... Sadique hallucinogène. Je me rappelle plus de lui, hein. Oh putain. Attends, je le focus. Oh, moi, je vais balancer toutes mes grenades. Oh, je me suis mis invisible parce que j'allais crever. Hop là. Très attention à toi, manche. Ouais, mais je cours pas vite, hein. Je tire en plein dessus et je sais pas comment ça marche. J'ai l'impression que ça tire même pas dessus. Est-ce que c'est un fusil à peupon ça? Non, t'inquiète, je crois que c'est pour toi. Oh. J'ai pris. Alors, je vais voir s'il est bien. Oh, ouais, un pistolet. C'est un revolver encore. Ouais, j'ai pris bien meilleur. Un bien meilleur. Il y a un bouton. Ah, il est moins bien. Oh, c'est pas vrai. En fait, le revolver, c'est un fusil à pompe. Il tire 7 balles. Les copains, à votre signal... Vas-y, tu peux appuyer. Ah si, il est bien. Il est bien, j'ai rêvé. Tu devrais pouvoir pénétrer dans la mine à présent. Il n'y a plus rien... Le logo du café que m'a mené à la bulle 31 décembre. Putain, j'en veux. Plus près que jamais de trouver la... Le café décaféiné. Je pense qu'il a été recaféiné derrière. 2h du matin, oh je vais faire un café. Je sais même plus à quelle heure on s'est couché en plus avec ces... Ah, le nouvel an, ouais, 5h du matin je crois. Ah ouais, t'étais en pleine partie de Command & Conquer, ah, je crois. Non, oui, Starcraft. Qui a duré combien de temps? 10 secondes. Ah ouais. On a pu ramasser, hein, c'est bon. Oui. Il y avait pas une sortie plus facile? Non. Non, pas dans celui-là. Ok. En tout cas, on avait bien rigolé ce jour-là. Enfin, ce soir-là. Vous m'avez pas rejoint, j'étais tout triste à la fin. Attends, mais t'avais qu'à se coucher déjà. C'était quoi? C'était 3-4 heures du match, je sais plus. Oui, 5 heures même. Ils sont tous partis les uns après les autres. Oh! J'ai testé mon lance-roquette. Oh, il est électrique. Ça fait mal aux yeux quand même, l'électricité. Je crois que je suis plein. Ah non, il me reste encore une chose à rentrer. Ce pistolet, mais il est juste incroyable. Mais ça lui fait rien. C'est un lance... Je suis un sniper, hein, à la base. C'est un lance-croquette électrique. De toute façon, il y a un gros derrière toi, Navené. Oh la vache! Je suis amateur. Vas-y, amateur, achève-le. Vas-y, finis-le. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, je te relève. Merci. Ce pistolet, il est goldé. Enfin, j'ai fait quelque chose. Goldé. Je ne suis plus un boulet, c'est fini. Puis dans 3 niveaux, on sera tous des boulets. Mais maintenant qu'on a récupéré quelques âmes, on pourra peut-être, j'ai bien dit, peut-être retenter l'arène. Regardez. Voir. 3h30. Ah, oh, c'est couché à 3h30, Christelle. Je voulais prendre des munitions, mais... Le mec a fait quelque chose, ça a annulé le TP, mais... Ouais, j'ai vu dans les munitions. Je vais vendre... Ça... Ouais, les munitions, je comprends pas.
Ah mais on a trouvé un kit d'optimisation de stockage du sac à dos. J'avais pas vu. On passe de 12 à 15. Où est-ce que j'ai trouvé ça, moi? Je pense que c'est quand on a aidé Claptrap. Il a dû nous refiler ça à un moment ou un autre. On n'a pas fait attention. Okay. Bonjour Bombastos, qui nous souhaite une bonne matinée à tous. Bonjour Bombastos. Salut Bastos. Je vais me comparer mon pistolet. La 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 la. Oui, 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 merci de l'avoir signalé, Bastos, mais je la garde figée, en fait, parce qu'il y a tellement peu de luminosité ce matin que ça me fait suer de me mettre ma lumière d'appoint dans la tronche, ça va me faire pleurer. Donc, pour le, vous retrouverez ma fille douce animée cet après-midi. Oui, pardon, petit Seb, on parle en même temps. Ouais, je disais, pour le défi des 12 jours de Pandore, où il y a plein de meurtres, enfin de kills à faire de façon différente, il me reste juste les 2 kills par acide à faire. On n'a pas encore trouvé d'arme acide. Ah oui. Ouh, augmenter le kit de sac à dos, ça c'est important. Chez le médecin, est-ce que vous avez augmenté votre... Là, dans le distributeur du médecin, vous augmentez votre capacité de sac à dos. Oui, oui. C'est... Non, c'est celui qu'on a gagné. Bah... Enfin, à moins qu'il y en a encore un, mais... Moi, j'en ai eu 2. Parce que du coup, j'ai plein d'emplacements de sac à dos, là. J'arrive plus à les compter. J'en ai une dizaine. Non, ils vendent des boucliers. Non, ils vendent que des boucliers, hein. Ça a été une récompense de... De quête, t'avais un truc quête, pour ouais. Agrandir ton sac à dos, le passer de 12 à 15. Il y a un objet, il y a un bouclier qui coûte ultra cher, mais qui est légendaire et qui fait une... Qui a une grande capacité. Niveau 16. Ouais, pour les objets spéciaux. Tellement d'argent avec la reine tout à l'heure. Alors, ouais. Bastos nous partage une heureuse nouvelle. Il nous dit... J'espère que vous allez bien cette belle matinée. De mon côté, même si peu dormi, ça va très bien, grâce au fou rire d'hier soir. Ah, c'est bien. Il y avait du Megaras 2 chez toi et du qui veut gagner des pépettes. Megaras. Le Joker qui nous a fait des... Ah bah on sait que c'est pas ces deux réponses. Qu'est-ce qu'il fait? Le 50-50, il supprime ces deux réponses. C'était l'éclat d'arrivée. Ah, c'était, ouais. C'était juste... En plus, ah mais s'il supprime ces deux réponses-là, franchement, je... Juste les deux réponses qui sont supprimées, bah c'était... Exploser de rire, quoi. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, c'est vrai que je t'avais fait un coucou en journée, Bastos, quand tu regardais les animés, mais je me suis pas manifesté le soir, parce que quand il y a eu le relais de chaîne, c'était là que je suivais avec petit Seb, moi, je suis allé me coucher. Mais c'est bien. Ah, Bastos qui dit non, Nash, je suis pas encore enceinte. Une heureuse nouvelle. Bah quoi, je sais pas. Parce que j'ai pensé aussi, mais je l'ai pas dit. Oh bah moi je le dis, hein. Je me gêne pas. Oui. Ah ouais, mais non, c'est l'ossage qui est dans un menu. Oui, pardon, ouais. Je suis en train de regarder, mais... Je crois que t'allais dire, bah non, c'est l'ossage qui est enceinte. Vas-y. Ouais, aussi, mais ça... Excusez-moi. Mais je vous écoute en stéréo, j'ai 2 enceintes. Bonne réponse. Alors, j'avais fait il y a longtemps, au début de ma carrière, la vanne à une collègue, justement, qui était en gestation. Il nous a été rapporté que vous avez engagé une action mère. Et je devais gérer la sono pour un événement avec les haut-parleurs. Et je lui avais dit, mais vous êtes la troisième. Non, elle est même que toi. Vous avez été averti. Toute forme d'assistance. Ça bouge pas, je regarde. Ouais, même tout touche que toi. Ouais. Cessez immédiatement. Je passe devant les caméras, c'est rigolo. Et rendez-vous tant que c'est encore possible. J'ai vraiment l'impression de voir Maître Jeu de rôle. Ils passent devant leurs écrans. Tu sais, il est déjà parti, hein. Il a compris qu'il fallait pas moisir ici. Non mais je sais pas, vous commencez à faire des choses bizarres là, les gens ils sont blessés, ils passent dans les entre les jambes des autres là, moi ça me fait peur. Je cherche à son pseudo à Maya.
Il y a un frigo. Bah, le pseudo Maya, c'est l'abeille. Non, pas Maya. Maya, le grand maître. Ah, drôle français. T'es sûr que c'était un M et pas un P? Oui, pardon. Maya. Et puis il l'a dit en plus. Un Maya. Mais c'est pas drôle, j'ai one shot. Et pas bien. Ah merde, ma toile j'ai mal posé. Ah si, ça va, elle fait le boulot. Non, sérieux, rater un truc comme ça, c'est inadmissible. Ah, Bastos, c'est la race des grands sorciers dans le Seigneur des anneaux. Des agneaux. Maya. Les Maya, ouais. Oui, merci pour l'info culturelle. Seigneur des agneaux. Et si t'arrives. C'est une parodie, Seigneur des agneaux. Le Seigneur des barjots. Ah non, pardon. En fait. Comme Frigide. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une SMG là, s'il y a quelqu'un qui la veut. Hop, ça sera vendu. Sacré nage. Ouais. Mais moi, j'ai plus rien, je suis dépouillé. Oh. Moi j'ai combien? Oui. Ah oui, moi aussi j'ai. J'ai quasiment rien. Attends, j'ai entendu un gémissement de créature ou quoi? Ah oui, dans le ciel. Il y a les rats là-dessus. Bah, non, non, non. Oui. Je vois que tu es en train de te faire tapoter. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais prendre cher là, je prends très cher. C'est bon, j'ai eu les racks. Bam, lui il est mort. Ah, comment sa tête a giclé, quelle horreur. Oh, joli, bien le tir dans le. J'ai eu l'idée de tirer dans le tonneau. Très bien. La présence d'esprit. Ah, j'en amène d'autres, hein, histoire que. Aïe! Y'en a un qui a deux bouts, j'ai pas aimé. Ouais. Ouais. C'est ma grenade, non? Non. Pas de lâche collatéral avec le grenade. Que je sache. Non, oui, y'a pas de tir-fratricide. Ah, on va rassurer. Ce serait un serenal, t'imagines? Oh, tir-fratricide. Hey. Désolé. Chauve-souris en feu, là. C'est pas le pigeon à nage? La chauve-souris en feu? Ah ouais. C'est mon Pokémon. D'accord. Inutile, mais j'en ai un. Yalash. Violence. Une arme d'assaut. Ouais, c'est de la merde toujours. Vivi. C'est de la mouise à revendre. Bon, je sais toujours. C'est là qu'on approche. Le petit coffre. Ah bon, qui a été fait. Bon, c'est bien. Boum. Mange la grenade. On est tous les quatre sur le bord de la falaise, et prêt à sauter. YOLO! Dans mon paquet! Allez, j'ai jeté ma tourelle en contrebas. Ils se font laminer! J'adore ça! C'est comme si on était toute une équipe! On arrose et on les crève! Ah! Il y a un sniper qui est tombé! Dans ce beau son au côté de Nash. C'est bien, ça vous redonne de la vie. Ce que j'aime bien avec mes grenades, c'est qu'elles sont pas égoïstes, entre guillemets. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez en avoir les bénéfices. Et je le vois, c'est bien. Je peux stratégiquement balancer une grenade près de vous quand vous êtes dans le mal pour que ça vous régénère à partir des points de vie des ennemis. C'est franchement bien pensé. Oh là là, le cimetière. La li la 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 lou li la 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 la.
Petit chef a ouvert un coffre. Salut Bambastos. Bah, merci pour le tien aussi. Alors que ça ne l'est 11h. Bambastos. Bambastos. Les russes. Oh mon dieu. Votre adversaire est mieux équipé que vous. Achetez des armes encore meilleures que lui. Hop. Ah oui, il manque les grenades, c'est vrai. La grenade. Kit d'optimisation de stockage. Ah oui, au niveau des... Ouais. Shotgun 120. Ouais, mais c'est des flingues que j'utilise pas. Pistolet à 400. Shot 40. Ah oui, c'est beaucoup. De grenades à 5. Mais je suis déjà à 5. Attends, c'est pas normal ça. Comment ça, c'est pas normal? Ah non, c'est bon, j'avais un truc. Je croyais que j'avais l'équipement. Donc, il faut ramasser des armes parce que j'ai complètement vide mon équipement. 560 combats rifles. Qu'est-ce que j'ai vendre? Ah ouais, j'ai pas. C'est bon. Ouais, j'ai pas besoin de piquiner, je vais rester ouais, bon. On peut y aller. Est-ce que j'ai un point de compétence à distribuer? Oui, non. Non, oui, tu... c'est pas trop tôt. Non, non, ce sera bien plus tard, le prochain point. Voyage. Voyage, voyage. Avant c'était 5 secondes, maintenant c'est passé à 2, alors c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. De quoi? On n'a rien changé pour. Le temps de changement. Ah merde, j'avais pas vu, mais je suis vraiment blessé hier au niveau du pouce. Je viens de voir que j'ai une écorchure. Allez, en route. Qu'est-ce qu'on dit? Oups. L'objectif. Le temps des compagnons. Ah oui. Il me faut un véhicule. Y'a plus de place, faut que t'ailles dans le véhicule, le sage. Factel. Allez hop, la brute qui conduit. Yeah. Je te suis parce que je sais. Oui, c'est par là. Ah, bah, merci. Est-ce qu'on va à la suite. Non, parce que. La suite, on va changer de zone. On est toujours en une difficulté 14. Bah, de toute façon. Y a toujours l'arène, quoi, mais bon, on va voir. C'est comme on veut. L'arène ou la suite? Alors? Là, c'est de l'arène. Oh non, la suite. L'arène. Oh, je sais pas. Faut savoir. Oh, l'arène, elle est juste à côté de nous là. C'est sur la. Ok, bah l'arène. Ou... L'arène, elle est juste là, ouais. Donc, là. L'arène des lames. L'arène des neiges. Ouais, non, mais celle-là, on la déteste. Ouais. On va se débarrasser des moustiques là. Ah mais bon, ça fait pas d'XP par contre. On a un niveau trop élevé maintenant. Ouais, ça fait 1 d'XP à chaque fois là. Super impressionnant. Allez, faut peine de niveau. Attends, est-ce qu'il y a un vendeur d'armes ou pas là? Oui. Ouais, attends, je vais regarder ce qu'il propose. Un sniper, dégâts élémentaires de feu. Ah oui, ils vendent des armes. Mais Ah non. Non, ah bah non, mais le niveau, attention, il est pas terrible. Pardon. Niveau 15, c'est pas mal. Ouais, mais il a 0,6 de vitesse de rechargement. Je pense que je serais mieux avec la toile ici. Ouais. L'angle de tir sera plus large. Oh bah. Ouais, c'est parti. Bien. C'est parti, mon kiki. Attention, il y a une deuxième porte qui s'ouvre. C'est comme... La porte arrière qui s'est ouverte. C'est pas leur jour. Tu vas le sentir ça. Pas mal le pistolet.
Ouais, mais j'ai l'impression, tu vois, premier lancement, les portes s'ouvrent plus vite et. Enfin, s'ouvrent moins vite et dans un ordre précis. Et il y a moins de monde d'un coup. Ouais, tu mets qui à terre? Où est-ce qu'il est? Je suis en train de le réanimer. Bon, voilà, il s'est réanimé tout seul. Ils sont où? Ils sont du côté de Tissav et de moi. J'arrive. Waouh! Ouais, moi j'étais à 10 PV, j'ai fait non, je deviens invisible, je me casse. Sur le sol, vas-y, relève-le. C'est qui est parti? J'ai mal, c'est moi. J'arrive. Je suis à côté. Couvre-moi. Pas couvre-moi. Mais pourquoi j'arrive pas à tirer de grenade, bordel? Merci. Regarde, t'as venu derrière toi. Mais personne ne veut plus tirer de grenade. T'as plus de grenade. Mais si, j'en ai 5. Non, mais c'est une blague là. Non, mais. Bah, c'est fini. Non, mais c'est quoi cette grosse blague? On a gagné. Non, mais ils sont où les mobs qu'on a eu tout à l'heure? Ouais, c'est surtout le Skag Alpha de feu qu'on n'a pas vu en fait. Du coup, forcément, moi j'ai cramé tout le monde avec mon flingue, c'est passé vite. Hein. Wow. Non, mais c'est débile. La main dans le slip, ça s'est fait. Mon dieu, j'ai une image atroce. Non, mais imagine pas avec la main dans le slip. Clavier souris, je me suis d'avoir les deux mains occupées. Et tout ça pour gagner un flingue niveau 10 de merde. Niveau 10, moi il est niveau 15 de mien. Et puis je peux dire qu'il est pas merdique du tout. Hein. Ah bah moi j'ai gagné un flingue niveau 10 de merde. 131 de dégâts, 93,3 de précision, 1,3 de cadence de tir. Bon par contre il a 2 balles. Et il est dégâts de feu x3. Ouais, c'est un revolver? Je pense, ouais. Bah, tu regardes au type de munition si c'est un barillet ou pas. Ah ouais, mais c'est le cas. Attends, ouais, regarde, je te fais voir ce que c'est. Le Crimson Cobra il a l'air d'être pas mal. Ah merde, non! Attends, je reprends l'autre là. 82, voilà, ah, c'est ça que j'ai eu. C'est un revolver. C'est pas mal, hein? Ah oui, oui. Mais j'ai vu quoi, tu fusil à pompe que j'ai ramassé tout à l'heure? Attendez, moi j'ai un flingue. Peut-être qu'avec ça, ça serait chier. J'ai un flingue qui pourrait peut-être intéresser l'un d'entre vous. Moi ça va, mais je vous le cède. Voilà. Super! Je m'y attendais pas! C'est quoi? Ah, une arme d'assaut. Alors attends, fais voir. Ah, j'ai aussi ça en doublon. Le clou des grenades qui donne de la santé. Je l'ai en doublon. Ouais, moi ça m'intéresserait bien. Ouais. Moi, y'a rien qui m'intéresse. Ah bah, prends le petit sable alors. Non, j'ai dit y'a rien qui m'intéresse. Ah, pardon. Parce que j'avoue que je me fais un peu défoncer. Bastos qui dit, parle toujours de flingue là. Je vais tirer de ces bastos avec mon pistolet. Il y en a qui veulent jouer avec des gros calibres, mais on dira pas lesquels. Pour peu qu'ils savent s'en servir. Oh! Il est où? Je m'en vais loin. Mais très 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 loin. C'est un autre très carnage. Très loin du sage. Bah, on continue pas? C'est vrai, c'est toujours en lien avec la chair. Oh là là, au secours! Pourquoi on est parti de l'arène là de ah, on a fini en fait, on a gagné. Elle est finie l'arène, il ne restait qu'un seul truc à réussir. D'accord, mais pourtant ils étaient niveau 15, j'ai pas tout compris. Mais c'est ce qu'on dit, on a pas eu le Skag Alpha. Peut-être en DJ Psycho. Vas-y Nash, monte. Dis-moi, oui, chef. Je suis sur la passerelle. Qu'on s'enfuit très très loin du sage. Attends, je vais lui faire une carte quand tu attends. Ouais, tu vas attendre d'approcher de la voiture, le sage, tu vas rigoler. Tu vois? Là, ce que tu fais, c'est qu'on a les fesses en l'air maintenant, donc non merci, tu vois, ça m'intéresse pas. Ah, Nayonet, t'es tout fou! Ah, je m'en vais à chaque fois que tu t'approches! Vilain! Il est le sage! Le sage, on va pas plus vite! Et je sprint! Oh oh! Et là, hop là, j'ai dans l'autre sens, vite, monte dans la voiture, c'est en sécurité! Je pense que je vais sérieusement commencer à mettre des points sur le pistolet parce que. Tout ce que tu as eu à affronter jusque-là était relativement simple. Sledge représente un véritable défi. Les copains là, ils sont pas tous.
Alors, madame hologramme, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Ah, je suis parti de l'autre côté. Quelle endouille. Vous êtes chiante. Ils sont partis. Ah, ils sont partis là-bas. Je sais pas me repérer. Hein. Bravo. Oui, au niveau de la route, ouais, faut réussir à lire, c'est pas évident. Voilà, j'ai trouvé. C'est pour ça que Frobo s'est perdu en forêt. C'est pour ça que je préfère conduire. Et on est là. On arrive. Il y a un endroit là, j'aimerais bien aller voir là. Bref. Bon. En solo, je suis pas allé aussi loin. Mmh. Dis donc, est un de ces pétards. Qui est un pétard? Ah oui, t'as un gros pistolet. Ah ouais, oui, voilà. Je parlais du pistolet. Ouais. C'est. Ah, dis-moi. Allez, ça voyage. Pour voir là. C'est, je disais que j'avais un gros pétard. Entre les mains. Bonjour Torota. Bonjour Torota. Bonjour Torota. C'est une Bastos dit, mon dieu, le Xex Alpha. Et Christella dit, heureusement que c'est que le samedi, ce bordel. Et tout le monde salue. Et Stone Mine découverte. Ah. Je comprends pas pourquoi ça a délocalisé les annonces sur Steam, c'est vraiment bizarre. Il est un bandit, il va mourir, quoi. Ah, je lâche le repos. Oh, on va bien dans l'ensemble, Torota, j'espère que toi aussi, merci. Ah, il y a un coffre à ouvrir, il y a une grosse malle. Où ce connard? Droit devant nous, de DHAL. De quoi? Oh, 47 dollars. Dans le bac à déchets. Oh, je l'ai fait le tour à moi. Oh, il y a déjà J-Psycho qui est à terre. Tout le monde court dans sa direction. Oh là, j'ai un bug. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu sautilles là. Oui, attends, c'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai un truc, merci de m'avoir sauvé. Je vais mourir. Bah, pourquoi j'ai. Oh, j'ai. Oh bah voilà, c'est revenu. Ah, j'ai pas compris. Mais je suis tombé par terre. Non, ah. Ça commence. Je t'aurai jamais. Et la manette qui t'enclenche, non? Bah non, normalement là, elle a l'air libre, elle est pas en contact. Non, mais j'ai un vrai bug d'interface. Oui, t'as vrai. Oui, ça bouge. Bah quand on regarde ton perso, ça, tu fais des mouvements saccadés. Tu changes d'arme en fait. Ah ouais. Je suis désolé, mais c'est tout bizarre. Il me fait mal lui. Moi je pourrais abuser comme on loot que de la merde en fait. Oui c'est vrai que. Je suis par terre. Oh ça peut vraiment tu m'as ça. J'ai essayé de relever Nayone, mais c'est lui qui a tué le mob. Je vais pas vous ramasser à nouveau. Ouais. Oh, c'est pour moi. Il y a un mec en hauteur. Toutes les armes sont niveau 15 et le seul sniper qu'on trouve, il est niveau 5. Sans déconner. Il est où? Oh la vache. C'est trop quête. Là, j'ai un fusil d'assaut niveau 7 et j'ai un sniper niveau 15. Ah. Ah d'accord. C'est un pompe. Allez, on loot. Bref. Il a l'air merdique, hein. Ouais. Il a l'air merdique. Ouais. Oh, stylé, la manière dont ça recharge, c'est trop stylé. Alors, de la mouise. Je pense que tu peux prendre une hache, enfin, si tu... ouais. Prendre la tuer. Il n'y a pas grand chose, mais je vais prendre. Comme un lox.
Ah oui, alors niveau suivant. Non, moi je vais fouiller par là parce qu'il y a encore quelques caisses. Moi je voulais aller voir déjà dès le début le machin. Voilà. C'est bien, vous avez bien équipé. Ah oui, bien vu, Nash. Et histoire de nous séparer, ouais, c'est pas critique. Hey. Vivi. Bah là, il y a encore une caisse. Oh. C'est bon, j'évite. Ah là, putain, il y a plein de trucs là encore. Mais oui, il y en a plein partout. Il y a du matos à foison. On a tellement. Il y a plein de munitions, mais des bonnes armes, il y en a. C'est quoi, c'est la suite. Ah oui, j'ai un bouton pour ouvrir la grande trappe. Vous direz quand on voudrait que j'ouvre la grande trappe. Enfin, la trappe, là, qu'on appelle ça la porte, tout simplement. Le portail. C'est ça. Le portail. L'e-portail. La porte-trappe. Vas-y, reste en face avec mon Rocket. Ouais, t'es prêt, Nayonet? Ouais, prêt à bombarder. Il y a Nash et Petit Sep qui vont rejoindre bientôt. Ah non, Petit Sep. Et à balancer les scuds. Nash arrive. Ok. Allez, j'ouvre. Lance le Nashapman. Attention, lancez la vachette. Lance la canne en particule. Ah, derrière toi, il y avait un coffre. Oula, oh, le hitchhot. J'aurais déjà, non, le bouclier. Chet, petite merde. Attends. Ah, mais non, attends, le bouton, il est relié au portail, mais il est relié aussi... Il y a du monde là-bas. Voilà, oh, Olive qui tue qui pêche. Bonjour Olive, j'espère que tu vas bien. Olive qui tue, le Olive qui tue. Aïe, 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 merde, je suis déjà en agonie. J'avais la plume à toi, elle, c'est honteux. Tiens, tiens, tiens. Il y en a du monde dans l'arène. Oh la vache. Je deviens plus fort à chaque instant. Il fait tout raide là-haut. Le niveau suivant, c'est là. Non, en fait, je crois comprendre. Je crois que c'est la personnalisation de ma souris qui est en train de bugger. J'ai un bug de couleur. Mais ça arrive. Là, juste côté, j'arrive. Ouais, mais en fait, il y a une tourelle. Faut qu'on avance pied à pied en étant à l'abri des. Je sauve avant de mourir. Sachant que moi, je suis encore au portail. J'ai sauvé au dernier moment, mais non. Non, mais il y a la tourelle en fait. Ça va, petit Seb, t'arrives à les sauver? Non. Ah bah, non, non, mais moi, j'ai des mobs sur la gueule, hein, je peux rien faire. Ah merde, ah d'accord. Parce que moi j'étais en hauteur. Alors attends, t'as des. Ah oui, t'as des mobs. Bah en fait, vous avez avancé en plein milieu et au-dessus il y avait des mobs qui m'ont tiré. Donc j'ai voulu monter les avoir et je suis tombé sur le côté au fait. NOO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 
J'arrive, je savais quoi. Monte le perso, monte. C'est bon, j'ai explosé le gars sur la tourelle. Non, il m'a eu. Au secours, je viens de sauver, ça m'a coûté la vie. Putain, et puis en plus, je peux pas tirer. Ah, c'était bien tenté. Il veut pas me lâcher ce connard, d'accord. Merde, j'ai encore perdu 1500$. Ouais, j'ai pas envie de faire usage de mettre tout là. Tu t'es mis à l'abri, ça n'a aucun sens. Strictement aucun sens. Attention à toi, non. Il est où ce quelqu'un? Moi je le vois dans l'escalier là. Oh, le headshot! Ouais, je l'ai vu, mais j'allais ça. Pas trop. Il faut prendre trop long. Ouais, mais bon. Quelqu'un voulait l'avoir. Il y a encore quelqu'un à la tourelle, on dirait. C'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre dormi, mais j'ai pas l'impression, sinon ce serait quelqu'un. La tourelle est morte, la tourelle, y'a personne. Je suis collé à mon ennemi et je lui tire vos portants. Cette violence. Et là, voilà, tu l'as eu. Ah, c'est bon, j'ai accès à la tourelle. Il y a un super coffre avec SMG ici. SMG et pompe. Ah si, il y a un super coffre avec plein de trucs bizarres. Mon dieu, qui c'est qui m'a tourné? Eh, il y a encore des ennemis là, oh. C'est énervé, moi, ouais. Oh la vache, il a explosé. Mais la tourelle, ça lui fait rien, c'est abusé. Bah, ça n'a aucun sens. Oh. Ah oui. Je prends la SMG. Hein. Oui, sauver. Le pompe, je laisse. Il fait des dégâts de malade, lui, et nous ça nous fait rien. Quoi. J'avoue. Oh, pas mal le temps que j'ai. Je le trouve, vas-y. Yeah! Et bien joué. Donc, oui. Le sac à pied. Bien joué, bien joué. De toute façon, tout ce qui est gros mob, c'est des sacs à pied. Attends, j'ai pas vérifié le résultat de la pêche d'olive qui tue de tout à l'heure. Dans le... Ici, Nayone, il y avait un pompe, là. Olive distraite par un groupe de 25 personnes qui se promenaient... Ouais, c'est un bon blanc, mais bon, tant pis. Ouais, tu le vendras. Alors, vous dites que le nombre dans la phrase est un nombre aléatoire, tiré au hasard, et ça me fait rigoler. 25 personnes, l'attroupement de fous. T'as tout un EHPAD qui se promenait le long de la rivière, et hop, pas de pêche. Ça a effrayé poisson. Trop drôle. Merde. Non, il m'a pas vu. Putain. Bah. Ah oui, tu te banaches. Non, en fait, il est... Il est sorti du derrière le mur, là, et... Ah. Et je l'ai aggro sans faire exprès. Il y a plein de choses à fouiller ici. C'est énorme. Oh, cette arme. Quand t'as fait usage... Bah si, celle-là, elle est vraiment... ennuyeuse. Oh, Edge qui se fait du flat-out. Il a raison, Edge. Ce fusil de merde, comment ça se passe là? Ça coûte cher, la vache. Il y a un milliard de mètres de par contre. Ah oui, il y a du monde là. Ah bah, j'ai déployé la tourelle quand il n'y a plus personne. J'ai trouvé de quoi se retaper. J'ai pas les cons in the morning. Ah, réduction chic. Du recul. Pourtant, j'ai une réduction du recul. Chic, chic, chic. Extraordinaire. Alors, il y a des armes. Wouah, je suis sûr qu'on loupe des... Un snipe, un H. On loupe plein de containers. Là où je suis. Non, pardon. Moi, j'ai fait le tour derrière, j'ai rien retrouvé, là. J'ai pas écouté l'intimité. Un snipe, ici. Ah, ok, j'arrive à voir, merci. Wouah, c'est une bulldozer de fou. Ah oui, il faut aller par là-bas, fouiller le haut d'abord. Hmm.
pas terrible ou... C'est bien pour les munitions. Attends, je vais faire mon coup, moi je vais monter à bord du bulldozer. Je vais essayer quelque chose, je peux le prendre? Ouais, vas-y, t'as besoin de style, toi. Attends, mais il y a une boîte sur le bulldozer. J'ai mal vu. Ah non, j'ai mal vu. Non, c'est une seule balle. Nash, oh, il est fou. Ah, encore une boîte à ouvrir. Y'a quoi dedans? Des munitions! Ah, j'ai pas tout moi. Voilà, si je prends un. Ah, les munitions, tu peux tout ramasser tout ce que tu peux d'un coup, de toute façon, ça les partage. Ça les redistribue pour tout le monde. Ouais, si c'est. Quand t'es plein, toi, ensuite ça les donne aux alliés. Si c'est plein, même plier sur eux. Ça t'y pense ultra vite. Attends, est-ce qu'il y avait une grenade? Oh, j'ai un gros coffre là. Non. On a quoi dedans? Est-ce qu'il y a un fusil à peu pont à la roquette ou... Il y a un pompe. Oh. Là, par rapport au mien. Je sais pas, ça cligne, ça brille d'une couleur qui normalement doit pouvoir interagir. Il y a un snipe niveau 5. Ça doit être une 4 plus tard. Et le pompe il est niveau 13, il est bon, les deux sont pas terribles, je vous les laisse. Oh, chariot. Pardon. Ah ouais, effectivement. Les chariots de mine. Ah, terrible, mais putain, c'est pas cher. Y'a rien dans les chariots de mine comme dans Minecraft. Oh mon dieu. Y'a une mine là-bas, je vais y aller. Ah, je suis dans un trou. Ah oui, alors. Quel trou impressionnant. Vie. Vie. Sûr qu'on a pas fouillé. Oh là là. C'est beau, c'est grand. Waouh, nous sommes de parfaits vandales. Vous du tout, tout est ouvert, tout est éventré, tout est pillé. Hein? Vous trouvez encore l'occasion de tirer sur des ennemis? C'est fou, j'ai tiré sur des tonneaux, ça va éclater. Ah. Ils ont éclaté. Non mais putain, il y a armoire à glace, c'est passé dedans. Faut bien que j'avance. Oh, je suis derrière la caisse, hein. Oh, il y en a un qui est presque mort des deux. Celui de gauche est presque mort normalement. Je le vois pas. T'es en train de le relever, Nash? Ouais, c'est bon. On a juste retenu par terre, c'est bon, je suis revenu. J'ai lancé une grenade hein, pour leur faire des dégâts. Une grenade. Il est en portant. Ouh, il a lâché un gros fusil. Un fusil bleu à SMG. Qui veulent du thune. Oh, j'ai de la thune, je suis vénal. Vas-y. Si personne veut la SMG, faut que la prenne. Bah, j'allais dire, attends, je vais regarder par rapport. Bah, je voulais vérifier par rapport à la mienne. Ok, je jette. Alors, le T. Le T, c'est échappe. Non, c'est espace. Voilà, j'ai jeté. C'est moi ça. Ouais, c'est ça là. Non, y a voilà, petit sable, j'ai jeté. C'est bon, c'est par terre. Alors, tu vois. Non, c'est bon, tu peux la prendre. Ok. Elle fait à peine plus de dégâts que la mienne, et... mais la mienne a un élément dessus, donc tu peux pas la garder. Ah, point de sauvegarde. Ah, juste à droite là. Il est sale couille en. Ouais, on va faire. Bien, ça reste. Il est par terre. J'ai besoin. Pour le fric. Oula! Comment tu l'as vu dans la ligne? Ah, mais sérieusement! Il m'a planté, le salopard! Décapité, ouais, bien, merci. Ah. Merde, excuse-moi, je suis planté. Dumbo. Ouais, pas mal. Oh, SMG, niveau 7. SMG, petit Seb. Non, c'est bon. Hop. Mais surtout, moi, je cherche de l'élémentaire hein, sur le.
Les armes. Autant le pompe, je m'en fous, ça fait du gros dégâts déjà de base. Ce sniper est un mal. Oh, vive les grenades. Oh, c'est voilà. Compliqué le truc, proviser le lance-roquette. Oh, celui-là, j'ai mis un nitshot. Ah oui, ça sera clippé. J'ai vu qu'on tire merveilleux. Fais voir la carte. On passe sur la droite, on arrive dans le cul-de-sac. Boum, encore un headshot. Headshot, bam, bam. Oh, je l'ai bien raté par contre. Ouais, la balle lui passe à travers là. Oh bah oui, c'est n'importe quoi. Eh. Vas-y, tiens. Cac, ouais, c'est dans le malin. Hein. Oula, y'en a du monde là-bas. Si je vais descendre. Si je vais descendre, elle est pas verte. Il y avait rien de ce côté à part des mobs pour nous emmerder. Et si je fais ça, ça marche. Ah bah non, je la tire sur moi. Ouais, oh là, qui tire dessus là. Un sac à PV droit devant. Oh la vache, la roquette qui m'a trouvé à distance. Salopard. Non, le sac à PV prend mal, grenade. Bah oui. Ah mais non, mais il fait mal le gars en fait. Oui, il fait mal. Je viens de mon bouclier. Mais d'accord, mais il a un lance-roquette en fait en plus. Oui, oui, il a un lance-roquette. Ouais, ouais, ouais. Yes, t'as rendu. Quelle arme utiliser? Merde, la raccourci pour elle. Ouais, j'ai utilisé la technique de la retraite stratégique. Bien sûr. Ah, c'est bon, il est mort. Eu, bravo. Il y a un lance-roquette pour toi de venir en plus de ça. Ouais, j'ai ramassé. Eh bah, dis donc. Eh bah, j'étais bien content d'être en appui. Il y a une lunette par terre ou peupon. Je sais pas, ok. Alors, c'était une arme d'assaut niveau 4, donc c'est même pas la peine de regarder ça, c'est okay. Merde. On était déjà un peu dessus. D'un vide. Il y en a mis juste là encore. Tu peux pas m'échapper, ouais. Tu peux pas m'échapper, blad. Trop bien. Trop rigolo. Attends. Alors, on suit qui? On suit l'objectif qui est par là. Peut-être faire le tour, voir s'il y a pas un coffre qui traîne ou un truc comme ça. Des ouais, fois derrière les murs ou. Ouais, faut faire le tour en bas avant de monter de toute façon. Oh putain, ouais, non, là il y a encore des mobs. Elle est sympa cette zone. Waouh. C'est bizarre de voir cette terre vierge qui va dans le monde. Bam. J'ai retrouvé ma toile. Elle a cramé. Il y a un pompe là, niveau 16. Où ça? Je sais pas ce que vous faites. C'est bon, j'ai ramassé, mais c'est un pompe blanc. Ah ah ah, c'est cool. On dirait presque des petits diabotins dans Diablo. Eh merde, je suis par terre. Amateur, moins de soutien. T'en as un qui arrive sur le côté, je l'ai bien descendu, le mob le plus à droite. Attends. Non, non, je suis en train de le relever. De le c'est relever, très dur de viser en fait. Il y a le bonhomme qui se redresse. Je vais vérifier un truc. Ah, mulet sauteur. Mais c'est quoi ce poisson? Un mulet sauteur. Mais bien joué, Olive. Pourquoi ne avoir que deux roquettes dans mon chargeur? C'était 6 habituellement. J'ai besoin d'un infirmier. Putain, je le one shot, toi.
Oh, il y a la tête qui bouge, lui. C'est mon truc. Fusil à pompe et SMG. C'est bon. Non, fusil à lunettes et SMG, pardon. Je laisse regarder les armes parce que là, c'est intéressant. Putain, 191 de dégâts, le... Ah ouais, la vache. Il est ouais, bien meilleur que... 3 balles seulement, par contre. Ouais. Tu la garde de tir est pas dégueu, en plus de ça. On fait quoi, on tire à la courte paille? Le tien de pompe de d'armes actuellement, elle est à combien? En dégâts? Ouais, ton sniper. Sniper Hyperion, dégâts 133. Précision. Prends-le, moi le mien il est déjà à 162. Ok. Merci. Toujours ma slot. Voilà. Ah bah, je vois que les emplettes ont été un succès, il reste plus grand chose. On t'a laissé les miettes. Venir en ascenseur, c'est rigolo, on peut monter. Oui, c'est troublant la lumière, effectivement verte. On pourrait croire que c'est une boîte en fait à piller, mais non. On essaye, Nayonet ? Ouais, ouais, attends, les copains. Oh, mais... on monte. Comme encore une fois, tu sais, on est tous les deux ensemble. C'est... On va vivre notre aventure ensemble et puis on les laisse entre danser, hein. Rejoignez-nous, les copains. Tiens, ouais. Aïe. Tu vas prendre un coup de fouet dans pas longtemps. Comment ça ? Restez là, ramène-nous le fouet. Ah mais c'est moqué. Le fouet au clou. Oh, il y a un mode de classe pour les chasseurs. Ah bon. Ça. Ah oui. Dans le truc de Médoc. Cadence de tir pistolet plus 30%, compétence qui avait plus 30 pétoyales. 67 000 dollars le machin. Oh, 67 000. Ouais non, j'ai pas. Oh, moi non plus, je suis à 34 000. Presque 35. Moi je suis à 16. Ah, oh, les opins ils sont là. C'est pour les par contre, c'est intéressant de savoir qu'on peut en avoir là. Ouais, mais c'est le. C'est la vente spéciale. Quand elle sera finie, ça sera autre chose. Combien une fois que j'ai tout vendu, je suis à 24 000. Ah, oui, j'ai rien vendu encore. 74... Ah, oui, c'est meilleur, ouais. Il y a ouais, le Maliwan qui est un meilleur bouclier. Ah, je vais peut-être l'acheter. Alors attendez, les armes d'abord. Alors ça c'est de la Moïse. C'est de la Moïse. J'ai de la Moïse. Ah, ça inspire déjà le respect. Ah, sniper, requis niveau 5. Ah bon non. Je vais vous ramener des laisses si vous continuez. Je suis pas sniper. Ah bah si t'as toute la panoplie, Christa, y a pas de problème. Hein. Collier, laisse. J'ai des grenades explosives à contact, dégâts 35. Certains sont intéressés ou je revends? Je regarde. Pas intéressé. Explosives à contact, 35 de dégâts. C'est bon, moi j'ai la même chose. Bon, regarde, bon, arrête de l'étendre. C'est là, tu m'as fait trop plaisir, je pense. L'instant de pause. 149-22. Alors attends, c'est l'instant de pause chez le sage. 59, donc. Ah ouais, je vais acheter le Wallyman. Donc c'est la pause café pour Nayonet, c'est ça? Non, pas la pause café. La pause café, j'ai déjà pris mes cafés ce matin. Avant de venir. Et voilà, j'ai une voiture. C'est une brute dotée d'un puissant bouclier que tu devras abattre avant de pouvoir le blesser. Une Mercedes-Benz. Wow, quelqu'un a une arme électrique? Oui. Non. Ben, prépare là parce que si comme l'ange le dit, il a un puissant bouclier, ben voilà. D'accord, j'ai une arme électrique. J'ai un pistolet électrique et un ROS au 4 électrique. Mais t'as tout en électrique, quoi. Sauf le... Non, le shotgun, c'est... C'est électrique aussi. Ah oui, c'est aussi électrique. J'ai 3 armes électriques. Ben, après, faut qu'on attende le message. C'est quoi en dessous? On a droite ou gauche? C'est rien du tout, c'est juste une piscine, enfin. C'est un tapis jaune. Soupe de carottes. Ah, je vois pas ce que c'est comme baguette. La soupe de citrouille. Ouais. La soupe d'orange. Mmh. On ferait de la soupe avec des oranges, j'en sais rien. C'est un méchant d'après tout. Moi je le vois jaune, le machin. Ben, jaune avec des reflets oranges. Ouais, pour moi c'est pareil. C'est de la soupe de courge. Ah oui, je lis la réponse de mon cousin destinée à Torota, parce qu'il est parti dans Stardew Valley, il l'a peut-être pas lu. Oui, donc Torota, il y a mon cousin qui te répond, qui te dit « Il fait beau, donc ça va ».
avec clin d'œil sourire. Voilà, voilà. Et oui, oh, je bah comprends tiens. Torota qui est complètement charmé par Stardew Valley. Ah, oh, bonjour Poupon. Bonjour Poupon. Notre pandarou bonjour, favori Poupon. Breton là. Ouh, comment qu'il va? Ah. Zoubi à Poupon. Wouah, cet endroit. Oh, il est sympa, c'est de la soupe de bleu là comme ça. Et mon fusil qui est bleu, oui. Enfin, violet même. Ah, j'avais une chance chanteuse. On attend quoi là, du coup? On attend le déluge. Non, on attendait le sage, mais il est là donc on peut y aller. De la droite, de la gauche. Oh bah tiens, on se retrouve. Comique. Oh, il se sert. Ça énerve. Oh mon dieu, quel méchant. Ah, ça, c'est un orc de Warhammer 40 000. Je crois que ça, c'est un vrai boss. Ouais. C'est pas les petites merdes. Mettez le bouclier. Je vais cramer. C'est qui a explosé? Ah, j'ai psy. Tiens, prends toutes mes grenades, mec. Pas de bien. Il est où là? Il est là, il est là, le pied. Tu as terre. Oh, c'est quoi tous ces dégâts qu'il fait là? Relève. On y croit. T'approches un peu de là. Ah, mais il est pas tout seul, d'accord. Pourquoi il est pas tout seul? Eh merde. Ouais, bien joué. Tu peux me relever, s'il te plaît? Ouais, je mets mon mec. Je suis en train de prendre un point de garde. Ah, il y a un brutal. Je suis en terre. Ne lootez pas pendant que les alliés sont à terre. Oui, attends, recours. Ah bon? Ah oui, merde, elle prend mal. Oh, ce clipping de mort de mon côté. Qu'est-ce qui tombe par an chez vous? Oh, j'ai la pièce qui se compose en temps réel. Qu'est-ce qu'il y a comme arme? C'est un... Oh, un shotgun. Ah, un shotgun. Ah, mais il le prend comme ça, lui. J'ai regardé. Mais en fait, les gars, faut regarder quand vous êtes, quand le truc est au sol, avant de ramasser, vous faites chier à tout relancer. Après. Oh, c'est une fonderie. Oh, nombre de tirs par rafale, plus 10 000%. Ouais, regarde la précision aussi, hein, fais attention. Oh. Précision, moins 0. Petit Seb. Tu as vu petit Seb où je suis? Moi aussi j'ai une salle pleine de coffres. Oh merde, il est où de vue, petit Seb? Ah, Nash Hellman me retrouve. Regarde Nash. Il y a plein de trucs à ouvrir, on les ouvre ensemble? Vas-y. C'est une proposition ça ou... Ah ouais. Oh putain, secours, c'est un guet-apens. T'es sûr? Encore une proposition indécente. On se casse, Nash, tu fais peur. Savoir de quoi il s'agit. Il m'a piégé. L'arche existe. Ce que tu détiens est la clé qui sert à l'ouvrir. Un fragment de... Il y avait quoi dans le truc là? C'est un objet de, que du fric et des, un objet de quête. Le fragment de clé, clé de, la, de l'arche. Ça serait bien que qu'on laisse voir à tout le monde pour le stream. Oui. Waouh, oui. Poupon, il déclenche tout. Oh mon dieu. Après, je sais pas si ça te le ramasse automatiquement quand tu passes à côté ou pas. Ici le commandant Steele de la Lance Écarlate, société Atlas, compagnie D, 3e brigade astroportée. Ouais, c'est on ça. On m'informe que vous avez débarqué sur Pandore à la recherche de l'arche et que vous avez rapidement semé le trouble et tué plusieurs autochtones. Cette planète est placée sous l'autorité de la société Atlas, et toute antiquité éridienne qui s'y trouve est la propriété inaliénable d'Atlas. Détenir une telle antiquité est sévèrement puni. Je vous invite à vous présenter au poste de la Lance Écarlate le plus proche, afin d'y remettre tout objet ou toute information en votre possession. Ceci est votre premier avertissement. Ah, ça marche pas comme dans le deux. On peut pas échanger. On peut aller voir la madame ou pas? Alors, voilà, madame, la madame, ne pas. Ni donner tort à Olivier. Il peut d'apprendre la sagesse. Non, mais Christelos, tu veux, tu prends ma place, hein, parce que la sagesse de l'anti, tu vois, j'ai un peu peur des fois. Il y a un coffre si vous voulez ici. Venez. Moi, j'ai la sagesse du petit Seb, il faut pas la critiquer. Hein. Regardez-moi ce trône. On va essayer avec des munitions. La crotte. Le trône qui en impose. C'est pour ça que mon jeu, il fait du clic. Meurs, là, c'est dedans.
Le décor est tellement riche que. Ah, pas c'est vrai, faut pas mourir bête hein, non plus. Mais... Regardez, il y a de l'or qui coule. L'or fondu. Oui, c'est une fonderie, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, je l'ai filmé tout à l'heure, la fonderie. Ouais, c'est ah, on peut sortir directement ici, tiens. Ouais, c'est la fin de la zone. Quelqu'un aurait-il laissé une grenade dans... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, c'est ça. Je suis content de ce pistolet, c'est pas mal. Non, je sais pas. Il reste des grenades dans un container, s'il vous plaît. Moi, bah, de toute façon, le sage, on ramasse toutes les munitions, de toute façon, ça les partage à tout le monde. Donc, ouais, si bah, t'avais besoin de grenades, on a dû tout les ramasser. Je suis pas convaincu que ça les partage, moi. En fait, ça partage pas, ça les remplit d'abord toi, et ensuite ça remplit les autres. Si tu débordes. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Enfin bref, il me reste une grenade à prendre, et je l'ai pas, c'est pas grave. Des fois que je me fais. Quand je regarde les munitions, il y a marqué plein partout. Je ramasse quand même et ça. Ça vous donne les munitions. Bien joué, le sage. Il y a un flingue incendiaire, mais il est niveau 10 là. Attends, je le. Tu vois ? Ah. Oh, c'est pas grave. Ah. Attends, je vais me demander ce qui se passait. Le plein déjà ? Ouah, ça craint. Bah attends, je vais te donner un truc. Il y a peu de quoi, Pupou. Ce que je vais te donner. C'est de là. Donne-moi un truc qui se vend le moins cher, et puis voilà. Tiens, vas-y, c'est un petit truc. Ah, c'est bien, vous êtes resté sur le rail suspendu. Waouh, comme ça, il semble escalier de l'hélicoptère. D'ailleurs, en parlant de grenade, je vais en balancer une parce que j'ai besoin de vie. Allez. La conclusion de ce fusil a des. Ouais, je suis déçu de ma grenade là. Je ne fais rien à cette distance. Mais c'est de la merde. Bon bah j'en sais pas tant de grenade. Non mais sérieux, hey, je suis à bout portant là. Ah. Ah non. Ah oui non, l'ennemi était là-bas. C'est bon, l'ennemi. Bravo. On l'ennemi. Je vais choper les ressources et je reviens. Il y avait quoi là dans la bouche ? C'est trop bizarre. Il y avait rien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils me dire dessus ? Messieurs ? Bande de vilains, goûtez une matourelle. Je vais les taper de mon acier. Yep. Ah, il y a un mode de classe standard à 19 000. Je suis pas sûr de les atteindre. Il y a un truc pour toi, le sage, potentiellement. Il sonne, ton gueule. Mais t'es loin, petit psycho. Merde, homme. Je viens de chercher, alors je suis très loin. Je suis très très loin derrière toi. Je cours, hein, de toutes mes forces. Ah t'es en hauteur, ah non, ouais, t'es trop. C'est pas grave. Bon bah tant pis. Tant pis. Va bien tout seul. Oula, écran noir. C'est moi qui vais prendre cher là. Mon dieu. Mais merci d'avoir essayé. Oui. Je passe en j'ai une portée bas. Vas-y. Alors... Bon, non. Au niveau 19 et demi. Oh bah j'ai... Sans mentir, j'ai exactement le même nombre de points d'XP que petit Seb. Regarde ça va en même temps, j'ai la même chose. On est à un peu plus de 60%. On a la même longueur de barre, t'as vu? Ah, classe soldat, c'est pour moi ça. C'est peut-être ce que tu me disais, Nash. Vous tous les trois, vous êtes à la même longueur de barre. Après, faut voir, tu vois, ce que t'as des bonus de compétences, faut voir si tu as mis des points dedans. Du coup, ça peut être intéressant. Équipe plus 16%. Ah, l'équipe gagne plus 16% en points d'XP. Ouais, ouais. Ouais. Et... C'est intéressant ça. Ouais, je vais le prendre. Compétence soldat endurci plus 2. Ah ouais. Oula, ça m'a même déverrouillé un success team. Merci d'avoir dépensé autant d'argent. Oh la vache. Vous avez aussi un mode de classe.
22 claques concernant une seule classe de personnage. Oui, bah c'est moi là. Ah oui, quel con, faut que je vende tout ça. Ah oui, je vais le verrouiller. Punaise. Niveau requis 16. Merci Nash. Ouais, t'as bien fait de me l'indiquer. Très bien vu. Ah, par contre, faut que j'achète des grenades. Mes fameuses grenades vampires. Elles me sont bien utiles, les grenades vampires. Voilà. Bien, bien vu. Et du coup, comme j'ai acheté le truc, il a renouvelé son offre, le... Ah non, épuisé. Non. Oh là, dans je sais pas combien de temps. Ah ouais, dans 17 minutes encore, ça, c'était vide. Ça, c'est fou, ça. Alors, attends, du coup, je regarde mon interface, comment ça évolue. Les armes sont intéressantes chez moi. Oh, j'ai vachement augmenté du fusil à pompe, moi. Les armes ? Au niveau compétences. Non, c'est j'en fais pas beaucoup d'usage. C'est pas ce que je voulais faire, les pompiers. Incroyable. La pression est merdique. Oh, j'ai pas envie de garder deux pompes sur moi. Bah ça dépend, si t'as des pompes avec deux effets alimentaires, c'est différent. Ça ouais. peut être avantageux. Mais c'est un Jacobs, donc il fait quoi? Je crois que c'est le dégât que ça max Jacobs. Mais ils ont moins de munitions, et ils ont une cadence de tir un peu moins élevée que les autres. Ouais. 4-2, ok. Ça, j'ai un pistolet de niveau 10, je crois que tu m'as donné tout à l'heure, Tissem, je crois. Oui, avec l'effet incendiaire. Tiens, je reviens toujours pas. Comment ça, Poupon, je déborde? Qu'est-ce que j'ai dit? Je veux pas savoir ce qui déborde. Les armes, c'est le snipe et le pompe qui sont niveau 13, le flingue aussi d'ailleurs. Mais j'ai un effet élémentaire x3 dessus, hein. Forcément je le garde. Ensuite j'ai la SMG qui est niveau 15, avec un effet de balle explosive. Et en 16 j'ai l'arme d'assaut. Je vais voir mes compétences, je suis 8 en flingue, 1 en SMG, 4 en pompe, 3 en arme d'assaut, 3 en sniper. Lance-roquette, je suis à 0. Et les armes méridiennes, je suis à 0. Ah tiens, je vais chercher ça là, pendant que... Est-ce que je vends d'autres? C'est pas non. Le gars. Ah. Effectivement, oui. On n'y est pas encore. De quoi tu parles? Alors. Le niveau d'expertise des armes, il monte jusqu'à. Oh, le vent de tambour. 50. Ouf, pas mal. Ok. PP, ok. Mais je t'ai renseigné. En premier, ça augmente les dégâts. Ensuite, pour les pistolets, pour les revolvers, les mitraillettes, les pompes et les armes d'assaut, ça augmente la vitesse de rechargement. Pour le snipe et le lance-roquette, ça augmente la cadence de tir. Et pour les armes aériennes, le temps de latence. Et la troisième amélioration, bien sûr, c'est au fur et à mesure que les niveaux montent. Hein. Pour les pistolets et les mitraillettes, ça augmente la précision. Pour les armes d'assaut aussi. Pour les fusils à pompe, ça augmente la cadence de tir. Pour les précisions, ça augmente la stabilité. Lance-roquette et les armes aériennes, la précision. De mon côté, ça y est, je suis en train de lire l'interface. J'ai 15 emplacements de sac à dos. Je sais pas si c'est votre cas, les copains. Regardez. Je peux me vanter d'en avoir 15. Il y a un petit compteur, en fait. Faut bien regarder dans l'interface. Ouais, 15 aussi. Mais de toute façon, on commence tous à 12. Et puis, comme on a tous fait la caisse de Claptrap, on a tous on a eu toute l'amélioration pour en avoir 3 de plus. Hein. Bien joué, bien joué.
Un petit photo de groupe. Tu fais une photo de groupe, Manuel ? J'ai fait une photo de groupe parce que il n'y a pas de fonction de photo en fait. Je crois qu'il n'y a pas ça. Mais j'ai fait un capture d'écran et j'ai mis poster sur chez le sage. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti, on est parti. Donc je vais regarder combien j'ai d'emplacement. Ça me. C'est que je vais le voir. Alors, ma caméra est figée, mais rassurez-moi, je vous invite toujours à contrôler à ce que mon horloge intégrée dans l'habillage de ma chaîne soit toujours active, s'il vous plaît, parce que ça va m'aider à faire des clips, et comme je vois pas mon retour... Je ne reste pas ici plus longtemps. C'est important pour moi. Mickey. 15, ouais, j'en ai 15 aussi. Ah, nouvelle mission disponible au panneau des primes. Oh bah, let's go. Arrange la bagnole. Les véhicules, là. Oh, ah oui, je regarde. Oh. Faut y aller. Tiens, moi je tire et voilà, tu conduis. Voilà. Ah, je vais conduire, mais là je sais mal parti, hein. C'est pas grave, on y apprend tous les jours. On passe avec Hippo Quiz. Rejoignons-les. Oui. J'ai même pas vu la récompense. Non mais là j'ai pris une quête. Bien joué. Oui. Moi j'ai fait un petit dératage. Oui, attends, hop là. Je l'ai écrabouillé. Ouais. Les éoliennes, c'est ça? Ouais, des excréments qui bloquent les éoliennes. Ok, bon état. Les éoliennes, c'est de notre côté. Ouais, mais je vais rendre et récupérer les quêtes d'abord. Ah, pile sur le truc. Oh. Putain, tu fais chier, toi, pilote du dimanche, là. Ouais. Bon. Ah, une quête pour trouver des composants d'un sniper. Ouais, c'est... Ah non. Non, c'est une arme d'assaut. Je vais par là, je vais me taper le boss là-bas. Ah, tu veux pas aller taper le boss? Ouais, si tu veux, je t'attends. Maintenant c'est un sous-boss, avant c'était un vrai boss, maintenant c'est un sous-boss. Ouais. C'est la personne qui met d'un mode de classe. Quoi? Comment ça qu'un mode de classe? J'ai pas de mode de classe. Non, mais en fait, ça, la quête te donne un mode pour ta classe, donc comme j'ai validé, tout le monde en a reçu. Voilà, on l'a violenté. Ouais, ça vaut quand même. Wow. Il y a des armes à récupérer. Ouais. Jouer. Merci Bastos. Ah, là, on a écrabouillé. Merci. Je vais ramasser ce qu'il y a dans les caisses, je te laisse ramasser tout le loot. Vas-y. Ouf. J'ai récupéré des. Il n'y a plus grand chose. Fais un peu de fric. Un peu de fric. Fric, c'est chic. Le fric, c'est chic. Par contre, je regarde ce que c'est que mon mode de classe. Alors allons-y par là. Youhou. Qu'est-ce que j'ai gagné? Tiens. Expert en survie. Régénération de santé qui est plus 2, compétence main rapide plus 5. Le Firestone Coliseum, on n'y est pas allé encore, on est d'accord? Ouais. Mais là il va être midi. Ouais, et on m'a appelé pour manger. On va en rester là. On chier les gens à manger aussitôt. Stone Mine. Alors, on essaie de là. Ah bah c'était cool cette session de... Ouais. Alors dis Psycho, fais attention de pas dépenser tes clés en bas niveau parce que c'est des armes qui sont peut-être efficaces mais qui dureront qu'un temps. Si tu t'arrives au niveau max, là tu peux te payer des armes que tu veux. Et les clés d'or sont partagées entre tous les Borderlands. Il y a un joli shotgun là, niveau 16. Il vous faut quelque chose. Regardez. Bon, on a fait le tour. Attends. J'ai peut-être pas mon diplôme de docteur.
mais quand vous serez blessé, vous serez bien cher, je le prends. On a 4 quêtes sur place. Celle-là, c'est la quête principale. Elle se fait où? Mais il a pas de dégâts de feu. De la zone. Ah non, du coup non. Il a plus de dégâts quand même. Ah, mais il tire que x7 en x11, donc c'est moins intéressant. C'était la ligne, tout ça. Est-ce que je le prends? Moi, ce qui me dit, c'est le Firestone Coliseum, c'est un DLC ou pas? Attends, je regarde. Tu me poses une étoile. Attends, mais j'ai pas pu équiper tous les boucliers. C'est quoi ce délire? Oh, je suis tombé sur le même équipement de grenade que toi, le sage. Grenade à transfusion, elle vole les points de vie des ennemis et donne aux alliés. Enfin, elle vous soigne. Au pluriel. On peut y aller comme on veut, c'est pas de... Ah oui, c'est une arène pour faire du PVP. Ouais, entre autres, ouais. Donc, ouais, donc on s'en fout en fait. Oui, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Une nouvelle quête qu'on a obtenue qui est dans la zone d'où on vient. Et ensuite on pourra passer à la suite. Hein. Je crois que ça va comme ça. Et ici là, faut qu'on aille ici. Là. Et là, dans les cul-de-sac pour voir s'il y a des choses intéressantes. Là aussi, on a bien avancé aujourd'hui. Oui, l'action était redoutable. Hein. Oui, le rythme était très bon. Bravo. On est presque à niveau 20. Oui. Bravo à tous. Presque à niveau 20. Voilà, voilà. On te laisse déconnecter. Merci les copains. J'étais bien. Voilà. Relivalou. Il propose d'acheter la version complète de Borderlands encore une fois. Après avoir joué, alors que j'ai déjà toute la collection. Ouais, c'est ça. Bon, qui a quel jeu d'ailleurs? Bah, moi je les ai tous. Pareil. Pareil, je les ai tous. Et je pense que c'est le sage qui les a pas tous. Je me trompe. Bah non, j'ai l'édition jeu de l'année. Donc dans mon nom, il y a oui, mais tous les Borderlands de la série, le Pandora's Box ah en fait. J'ai les trois premiers, j'ai 1, 2, 3 normalement. Le 2, je dois avoir aussi toutes les extensions, mais je l'ai en version boîte, le 2. Et le 3, je me demande si j'ai pas l'édition simple sans les extensions, pareil en boîte. Oh. Ouais. Parce qu'ils vendent la collection à, je crois que c'est 60 balles quand c'est pas en promo. Mais moi s'ils proposent la Pandora's Box, je pense que déjà ils le font peut-être à tout le monde, mais aussi ils le font à ceux qui n'ont pas tous les DLC avant même. Oui. Et les DLC, je dois pas tous les avoir, parce que quand c'est juste un DLC pour avoir des clés ou des trucs qui juste un peu de skin, ben je m'en fous, je les prends pas. Clairement. Non, parce qu'en fait ils font une offre groupée de toutes les DLC, tous les trucs, tous les machins, tous les cosmétiques, tous les Borderlands, à 60€. Ouais, il faudrait que j'aille voir tout ce qu'il y a dedans quand même, juste au cas où. Bon, allez, moi je vais vous souhaiter à tous un bon appétit, j'envoie le petit raid, bon appétit à tous, et à plus tard, salut. À plus tard. Bon appétit. Bon appétit, à plus. Voilà. Voilà. Le 2, je l'ai pas en dématérialisé, ouais. Et puis c'est clair, hein, je l'ai peut-être aussi en boîte finalement. Après c'est quoi, il est vendu à 40 balles. Sérieusement. Merci pour le vendu à 40 balles. Le jeu The Pre-Sequel tout seul sur Steam, il est vendu à 40€. Ouais. C'est abusé. Moi qui est sorti, hein, c'est un peu gros je trouve quand même. Ouais, mais comme ils ont fait, en fait comme ils ont fait des glow-up graphiques. Tu vois, ils les vendent toujours aussi cher. Et puis en vrai, les jeux, ils ont pas si mal vieilli que ça. Hein. Même si tu prends la version Borderlands classique, en vrai, le jeu se fend très bien. Les graphismes sont. Tu vois qu'ils sont vieux, mais ça reste potable, hein, vraiment. Enfin, pour moi. Ouais, mais... c'est sûr. Mais c'est surtout que bah, ça fait longtemps qu'il est sorti. 40€. 30€, tu vois, j'aurais rien dit encore.
42. Quand je regarde la Pandora's Box. Ça, le jeu est bon, donc bon, ça justifie un peu. Yeah, c'est... Par contre, c'est quand on a déjà tout acheté, on comprend. Merci. Alors. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Pour la première fois, toute première fois, nous obtenez tous les 6 les aventures de Borderlands ensemble dans un seul Mayhem, je sais pas ce que c'est, complet, paquet complet, et tout son incroyable valeur. Pour ceux qui veulent jouer au tableau mystère. Ouais, voilà. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse absolument pas dans la boîte de Pandore, ouais. En fait, c'est les deux seuls trucs que j'ai pas. Bon, il y a un DLC pour le pré-séquel qui est gratuit. Pourquoi je l'ai pas celui-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment c'est un bundle, mais donc du coup, ce que t'as déjà acheté, tu le payes pas. Oui, oui, ça je sais. Hein. Ouais. Non, mais il y en a deux, enfin y a même trois du coup. C'est qu'il y a Tales from the Borderlands, ah, oui. Tales from the Borderlands et le DLC du deuxième là. Et en fait, c'est trois trucs-là qui me manquent, mais que je ne veux absolument pas acheter, parce que c'est des jeux Telltale, c'est des jeux à choix, c'est pas... Oui. Ça n'a rien à voir avec... c'est plus du FPS. Ah, oui. Oui, oui. Bon, moi, j'ai pas regardé, je l'ai pris. Et moi, c'est des choses qui me... Ouais. Qui m'intéressent absolument pas. D'accord. Bon, ça le mérite de visiter. Vu le prix payé, je vous dis. On est d'accord, pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Moi, je n'aime pas, donc je ne les prends pas. Voilà. Oui. Et j'ai tout le reste du pack, j'ai tout. D'accord, bah alors c'est clair, bon. J'ai tout. Ok. Voilà. Bon, allez, je vais manger, je vous laisse. Des bisous, merci et bonne journée. À bientôt. Merci. À plus. Bon appétit. Salut. Ciao, ciao, merci. Bon week-end. À plus. Bon week-end. Merci à pour plus. Le jeu, c'était cool. La 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 la. Da di da di do da da. Bon. Alors. Je vais faire du 3D Noah Arch. Tindé.